Salut à tous dans le nom de Jésus. Encore une fois, il y a un plaisir, il y a de la joie pour nous rassembler. Mais écoute la parole de Dieu, écoute sa parole de Dieu ce matin. Tout le monde, frère, vous êtes dans une bonne place. Allez, un peu plus fort. Maintenant, nous pouvons dire tout le monde qui peut écouter nous par Internet, par WhatsApp, par YouTube. Vous allez bonjour, frère. Vous allez bonjour, sœur. Et que ça va du monde à bénir dans le nom de Jésus. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est. Au fait, ce message-là, il peut adresser beaucoup d'affaires en même temps. Premièrement, nous vous trouvons beaucoup d'erreurs qui est un leader, qui est un pasteur, faut dépasser. Ou bien, une manager, ou une supervisor, faut pas où faire ça, erreurs-là. C'est une caractéristique of leadership, et ben, ça fait qu'il faut éviter. Deuxième, quelque chose qui est un message-là pour faire, c'est où, ou un djimoun qui abuse de ben les autres djimoun qui en bas où, je vous montrer comment il faut devoir faire ça. Et troisième raison qui fait un peu près ça, mais ça, ça pour ouvrir au lisier, pour ou détecter qu'un djimoun peut servir où, des routes à but de où. Il y a trois raisons qui fait un peu près ça, mais ça, ça. Il faut adresser trois affaires en même temps. Le deuxième, gloire à Dieu. Avant que nous voulions la parole de Dieu, nous avons fait ça la prière là, et c'est tous nous les cœurs nous faisons ça la prière là. Nous disons Seigneur Jésus, mon commande, mon cœur, mon pensée, mon latitude, mon raisonnement, vite captif à l'obéissance de Jésus. Mon respect, mon prématuré, mon respect, cauchemar, mon respect, accident. Mon respect, opération. La Bible dit, mon enfant de Dieu, mon béni de l'Éternel, mon multimillionnaire, qui est généreux. Amen. Et si on répète mal verset la Bible, ne pas répéter, excuse-moi, ne pas répéter ici, nous confesser. On nous confesse bien faux, mal verset la Bible qui nous peut apprendre, que la Bible dit Genèse 42, 28, Église. Là, j'en voudrais tout dans vos poches. L'argent retourne dans ma poche. Toutes les semaines, je gagne un nouveau du monde qui dit, pasteur, mon écoute ou message. Mon argent retourne dans ma poche. Extra message à pasteur. Parce qu'il y verse la Bible. Le deuxième gloire à Dieu. Que la Bible dit Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Si toi tu penses du mal, tu perdras bon Dieu, tu ne t'en veux aussi bien. Il faut qu'on dise, mais c'est juste qu'on se faut. Que la Bible dit Genèse 33, verset 11. Je suis convaincu de moi, n'en ai-moi pas manqué. Et la Bible de Genèse 31, 41. Bon affaire, pour plus. Amen. Qui la Bible de Zacharie, chapitre 2, verset 5. Bon Dieu, un miracle qui fait autour de moi. Bon Dieu, un miracle qui fait autour de moi. Qui la Bible de Genèse 33, 9. Écoute, mon frère, moi, déjà dans la bande. Mon apagatel dans la semaine pour ces bonnes affaires, mon trou D, BMW, pareil, même couleur, même modèle, ben latest BMW de parking. Et moi, je peux sortir des de parking. Là, je dis, c'est un chat. Qu'est-ce que ça dit BMW là? Un frère là, vous dire sur le frère là. God, c'est que pourtant, mon frère, moi, déjà dans l'abondance. God, c'est bien, moi, déjà dans l'abondance. Amen, amen. Qu'est la vie, c'est avec les gens, puis 3, verset 11. Bon, j'ai fait sol, solide, sol et temps. Allez, c'est bon? Actes des Apôtres, chapitre 10, verset. Excuse-moi. Actes des Apôtres 28, verset 18. C'est un ordre qui mérite l'amour. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, avec tout respect qui m'est donné pour vous, vous voudrez protéger où? Qui peut écouter moi la voix devant un but, devant un démon. Malheureusement, nous pouvons vivre dans une société où nous tentons beaucoup de mauvaises choses qui arrivent, qui peuvent être faites par du monde qui donne l'autorité, par un leader qui donne l'autorité. Je vous donne juste trois exemples. Commencement mon message jusqu'à la fin de mon message. Je vous donne trois exemples de l'autorité, de leadership, mais ça est applicable dans tout carré ou la vie. Premier, c'est un professeur dans l'école, dans le collège. Un professeur dans l'école ou bien dans le collège. Un professeur dans l'école ou bien dans le collège. Un professeur. Il n'a pas le droit à abuser de vos enfants.
Il n'y a pas qu'un droit à abus d'autres filles. Il n'y a pas qu'un droit fausse aux enfants. Écoute-moi. Dans un message, là, comment on peut expliquer? Si le professeur fait fausse aux enfants, fait des voix, apprendre, tape 10, ça dit bien apprendre. Ou pas quand le professeur fait abus de moi, il demande trop beaucoup de voix. T'as l'air, mon petit, mon parent, faut pas abuser des autres enfants. Ou pas quand dire, mon papa fait abus de moi, fait fausse, moi, pour faire moi boire médecine. Médecine toussée, médecine les verres. Ça te boit tranquille. Pour te dire bien, il peut dire ça. Mais vous avez fait bien la différence, comme on peut expliquer, ben, abus de ben, quelqu'un dans l'autorité. Est-ce que toute l'église peut bien comprendre ce qu'il m'a dit? Donc, là, je ne crois pas venir à un professeur qui abuse de ben tifi, ben garçon, abuse de cette position d'autorité, force ben enfants dans un acte sexuel, par exemple. Deuxième, nous ne crois pas trop d'un travail. Alors, moi, je vous dis trois carrés, là, hein, c'est-à-dire dans l'école, dans le travail et dans l'église. Dans l'école, on donne un professeur, head of department, ou bien même un pion dans l'école, qui est dans l'autorité, le bon élève, pas capable d'abuser de bon élève. Et t'as même pas expliqué, bon enfant, si je trouve un quelqu'un qui abuse de autres, qui peut en faire. Deuxième, dans le travail, personne ne faudrait pas abuser de toi de ton travail. Ton aller pour travail là-bas. Personne pas capable abuse de toi sexuellement, moralement, mentalement, pas capable abuse de toi avec d'autres paroles. Faut pas faire ça. Nous prenons l'exemple dans la Bible aussi d'ailleurs. Là, moi, je vais te demander l'exemple pour capable bâtir mes sens qui m'ont pour prêcher là. Dans le travail, faut pas qu'il y ait un abuse de son pouvoir pour tirer toi depuis dans ce poste qui tu es là. Abus, moi, je vais dire abus, hein. Abus de pouvoir, abus d'autorité. Abus, moi, je vais causer là. Il ne faut pas que quelqu'un, à cause d'un manager, et quelqu'un d'opposition, il abuse de toi, il ne pas de toi de la paye, par exemple. Ou bien, devant tout le monde, dans un meeting, dans le travail, il dit des affaires qui peuvent abaisser toi, il dégrade toi, il lève la voile au toi, il lève la main au toi, il crasse au toi de travail. Ah ben ça, abus d'autorité. Le deuxième, on peut comprendre, pasteur? Un peu plus fort? Ok. Troisième, malheureusement, parfois dans l'église, il y a un abus d'autorité. Et ça, c'est tellement important, man, qui peut vivre leader dans nous, l'église. Et important, se confronter à cette manière-là, pour les pas se faire. Et tous ceux qui peuvent écouter moi, me prier qui bon Dieu, ouvert au lycée, si ça peut arriver, ou la vie, vous connaissez comment pour prier pour sortir depuis là-dedans. Par exemple, un passé pas qu'à force du monde pour faire quelque chose. Alors, ça, souvent, mon Dieu, c'est comme on dit à quelqu'un, balayer l'église, ou bien, au Carmen la Sainte-Seine, ou bien, même parfois, quand quelqu'un dit pasteur, pour faire un brianime au bout de nous. Pas sentir toi forcé pour faire rien. Et l'indifférence, quand toi tu peux faire une affaire pour être pasteur de tout l'équerre, avec une indifférence quand tu sentis toi peut être forcé pour faire ça. Il paraît comment tu me prends un joli fleur rose que toi, ou bien tu me prends quelque chose que toi, un pasteur avec son madame, pas capable de venir que toi, force toi pour déraciner pied au pied, là pour amener côté pour planter. Un exemple, on peut donner banal, mais on peut donner un exemple. Et n'importe quand on sentit forcé pour faire une petite chose, ou même on dit, pasteur, mon café est après, mon pas sentiment à l'aise. Ou bien capable de dire. Vous connaissez qui fait un man du monde, malgré ce sentiment forcé pour faire une petite chose, je dois le faire aller parce que c'est un logé de ce déguerre. Qui passe là pour dire si je dis non. Attention, mon père dit mon place. C'est logé parfois qui continue. Dis-moi là, bien abuse de toi. Mais toi, comment dire, nourris-toi avec sa position-là, qu'il donne toi là. Toi, tu nourris-toi avec sa bonne relation, de rester devant peut-être. Toi, tu nourris-toi avec ça. Alors, même si dis-moi là, bien abuse de toi, tu restes tranquille parce que tu peux nourrir-toi avec ça. Ça peut comprendre ce que je peux dire. L'orgueil qui peut laisse-toi, peut drague-toi dans ces affaires-là. Parfois, nous n'avons pas gagné un homme de Dieu, un pasteur, malheureusement, un leader. Force-toi, tiens, casse avec toi. Force-toi. Malheureusement, dans le passé, nous avons même un cas de une force un kiken de une relation sexuelle. Il ne faut pas dans ça dans l'église. Le deuxième, gloire à Dieu. Mon Christian, ça met ça en zone, il y en a trois buts. Premièrement, il y en a beaucoup de leaders qui peuvent lever dans nous l'église. Moi, je vais faire des cellules, je vais faire évangélisation maintenant. Moi, ça veut dire protéger nous, les leaders. On n'a pas fait ça dans le commérage. C'est pas comme ça qu'il nous avait une leader. Deuxièmement, si nous ne passons, nous sommes victimes de cette petite chose-là, comment nous avons prié d'aller pour sortir des pieds là-dedans? Et troisièmement, nous les avons ouvert, nous avons connu, oh, ils abusent de moi, là, nous avons mis une limite.
Et mon désir, mon la prière, c'est quand ça message a fini, mon envie au mirail monte bien haut, au firewall, appelle ça firewall, c'est qui fait computer. Ou antivirus, bien aussi. Ou antivirus dans la vie, bien aussi. Est-ce qu'il veut que je la même? N'a pas senti faussé. Encore une fois, l'hypothèse bien clair, c'est qu'il m'a besoin. Hein? Je me rappelle la dernière fois où tu prêches un message dans Exode chapitre 17. Comment nous devons soutenir l'Église, soutenir un homme de Dieu. Tu te rappelles où tu prêches un message là? Ok, nous avons Ephésiens chapitre 6. Bon, comme on a fait mettre introduction, laisse-nous aller directement devant le verset de la Bible. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ephésiens chapitre 6. Merci Jésus. Quand je te gagne, je te réponds bien fort, Amen. Si je tiens les autres, bonne bien fort. Amen. Amen. Ça n'a qu'un leader, avant qu'il n'y ait de la voix. Ça n'a qu'un leader. Un leader veut dire quand on a un du monde qui veut suivre toi. Un papa dans la case, il y a un leader. Parce que sa famille suit lui. Un maman dans l'église, il y a un leader. Parfois, dans l'école. Dans l'école, si tu as quatre camarades, et toi, tous ces camarades qui font décision, nous allons faire ça et tout suivre toi. Tu connais dans l'école, il y a ça? Le travail ici, il y a ça? Peut-être que comment dire ça? Quartier principal là. Tu es un leader. Un du monde, suive-toi. Ok? Bien sûr, dans l'église, un pasteur, un leader de l'église. Ok? Qu'est-ce qu'il a mis là, hein, les versets? Éphésiens chapitre 6, les versets N. Les enfants obéissent aux parents. Je dis Amen. Il dit les enfants obéissent aux parents. Mais quand ça comme ça, les élèves obéissent aux professeurs. Du monde dans l'église, obéir à ton pasteur. Est-ce qu'il peut dire la même? Mais est-ce qu'il dit ça qui la Bible dit? La Bible qui dit selon le Seigneur. Suis un coup, s'il te plaît. Souligne ça, mon petit-fils, s'il te plaît. Nous besoin obéir l'instruction qui nous gagnait selon le Seigneur. Et non pas selon un abus qui peut arriver à nous consigner. Après, la Bible dit que ça qui est juste, quand tu obéis, si un professeur peut dire toi, par exemple, arrête un autre ticket, un autre professeur sur le tout. Sinon, on va faire ta fail dans l'examen. Fais à ça, mon Dieu, toi. Sinon, on va faire ta fail dans l'examen. Tu forces un enfant pour faire un affaire mauvais. Il n'est pas selon Dieu et il n'est pas juste, là. Il est vrai que la Bible dit dans le verset 2, honore ton maman, ton papa. C'est, la première commandement qui bon, c'est le premier commandement qui bon Dieu nous donnait pour qu'ils nous vivent heureux de la terre, de vivre longtemps. Il est vrai que la Bible nous dit, nous disons, oh non, nous maman, nous papa. Et souvent dans l'église, ah oui, dans l'église, nous comptons servir ça. Et nous disons, pasteur, nous papa spirituel. Nous faut là dans nous. Pour dire, nous disons, non, le papa spirituel. Nous pasteur, nous papa spirituel. Mais le prochain verset qui dit, papa, pas irrite tes enfants. Est-ce qu'il nous est arrivé, nous, en tant qu'il y a un pasteur, nous, en tant qu'il y a un leader dans l'église, nous irritons du monde. Nous agaçons du monde. Par nos façons faire. Par nos approches. Par nos manières d'agir. Ça fait comprendre ce que je veux dire. Ça met ça en œuvre. Il y en a différents volets, différents aspects, nous qui adressent plusieurs problèmes en même temps. Il est vrai qu'il a envie de dire, nous disons, oh non, nous maman, nous papa. Ou pas capable d'être parent dans l'église contre moi ici, ou bien content quand le pasteur dit « Oh non, ton maman, ton papa !» Et tous les parents qui disent aux enfants « Oui, oh non, ton maman, ton papa !» Qui ne fait que ça le verset qui dit « Papa et maman !» Pas irrite tes enfants. Il ne faut pas être professeur irrite devant les élèves. Il ne faut pas être manager irrite. Par la grâce de Dieu, dans nous l'église, il y en a beaucoup du monde. Et comment se gagne promotion. Le Dieu, c'est gloire à Dieu. C'est dans l'époque de Dieu, dans nous l'église, ils disent travailler. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, dans nous l'église, il y a un supervisor, il y a un manager, il y a un responsable d'un département net. Et ça met ça en avant, il faut aider mon sœur, mon frère qui gagne promotion. Et il y a un pasteur aujourd'hui. Je voulais ajuster ce qu'il faut ajuster pour servir bon Dieu comme il se doit. Ou bien, ou efficace, ou efficient, ou un bon leader un jour. Je dis gloire à Dieu. Tout le monde peut faire ça. Il ne faut pas un abus. Tu vas pas lire ça, verset là, s'il te plaît. Chapitre 6, verset 4, un peu faux, rapidement. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. Non, ton micro pas on.
Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ok. Pas irritez-les, mais tu dois élever-les. Tu peux pas mettre AMP, version AMP, s'il te plaît, de télévision. Amplified Bible. Qu'est-ce qu'il disait là, Amplified Bible? Oui. Ben là, on a toi par respect, avec le respect. Qu'est-ce qu'il disait dans Amplified? Act on the same principle toward them. Principe qu'un dimanche peut servir. L'attitude qui est là pour on a moi, en tant qu'un pasteur. Mon business, c'est le même principe pour on a dimanche là. Pour élever du monde là. Mais pas capable, moi, quelqu'un qui est dans le leadership, moi, expect 100% l'obéissance totale devant du monde. Mais en même temps, me diriger, moi, un dirigeant, comme un dictateur. Comme on marchait du monde, paix à moi. Jésus-Christ, quand tu marchais du monde, pas tu paix à lui, mon frère, mon sœur. Il est abordable, il est approchable. Les enfants, tu galopais, tu viens que Jésus. Qui a été leader de venu? Le monde, il découvrait ça. Et aujourd'hui, je vais introduire une petite chose devant une compagnie Open Door Policy. Aujourd'hui, je vais trouver devant une compagnie qui peut faire succès, n'est plus énorme, un bureau juste pour un manager, un supervisor. Aujourd'hui, je vais mettre la table, tout le monde assise, appelle ça Open, Open Door Policy ou bien Open Space. Ça, à l'époque, longtemps, c'est la manière hiérarchie structurée. Vous n'êtes pas capable de causer avec manager, là. Pas rien droit à causer avec manager. Vous payez avant de causer avec manager, là. C'est pour ça que mes enfants, aujourd'hui, jour, quand grandis, tellement parents là, que ces enfants-là, ils ont un père à la police. La police, vous prendre toi, là. Bon, vous êtes la police, là. La police, vous battez toi, là. Et vous voyez, quand les enfants, vous êtes travestis, ils tremblaient avant de travestir parce qu'ils trouvent la police. Tu es bizarre, montrer les enfants, là. La police, lui-là. Tu es capable de faire la police confiance. N'importe quoi, un jour, de la difficulté. Monsieur et Miss Blanc, pantalon bleu, Dom Maurice, qui appelle le policier, tu es capable de galoper demander l'aide. Parce que ce qu'il nous fait à nous, nous mettons la crainte devant nos enfants. La police pour venir prendre toi, là, il est bon pour toi. Est-ce qu'il est pas déjà fait comprendre mon langage? Alors, il ne fallait pas nous, en tant qu'un leader, que ce soit dans l'église ou bien dans le poste de travail, ou irritant du monde dans le travail, ou bien dans l'église. Mais qu'est-ce qu'il a dit verset 5? Tu es capable de dire verset 5? Vous êtes pas, son micro pas très fort, vous êtes. Si vous êtes donné micro avec du fil, donnez micro avec du fil pour qu'il nous tende. Serviteur, obéis à ton maître, selon la chair, avec la crainte des tremblements. Oui! Nous comptons ce verset-là quand nous dit, ben serviteur, ou bien ben dimon, vous avez obéi à votre patron, à votre maître. Mais verset-là, il paraît de la même. Quel est le verset 9 qui lui dit? Toi, maître, agis de la même égard. Agis de la même égard. Abstenez-vous de bonnes menaces. Ne pas capable d'être leader dans l'église surtout. Mais vous pouvez faire cellule, ou bien vous pouvez faire l'adoration. N'importe qui a été leader ou était dans la vie. Ou pas capable de servir menace pour menace du monde, mon frère, mon sœur. J'ai déjà passé avec vos enfants là. Nous regardons verset 9. Et vous, maître, agissez de la même manière. Il ne faudrait pas nous, bonnes patrons, nous, bonnes leaders, nous, bonnes pasteurs, nous menace du monde. Dans notre version, il dit using violent and abusive words. Vous voyez après qu'il expliquait dans le contexte ça? Tu es capable de lire? Tu as un micro? Allez, lire. Et vous, maître, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître est le vôtre et dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Pourquoi, monsieur, la Bible montre-nous ici? Il ne faudrait pas aller comme ça dans l'église surtout. Ne pas capable en tant qu'un pasteur, en tant qu'un dirigeant, n'abuse de ban du monde verbalement, n'abuse de autres, ban parole pour irriter les autres, pour faire les autres froisser. Il faudrait nous rappeler qu'il y a un bon Dieu de ban du monde aussi. Beaucoup de monsieur pour venir pasteur. Tous les temps, je te rappelle, il y a un Jésus de du monde aussi. Parce que c'est dans moi qu'il y a un Jésus de du monde aussi, il y a un Jésus. Mais peut-être qu'on se bien en bichal. Nous venons en retard aujourd'hui. Souvent, il vient en retard. On nous accuse bien, lui. Et dans ce moment, nous corriger. Mais correction, pas veut dire abus. Mais on ne peut pas corriger avec l'amour. Souvent, quand on explique ça, on dit, mais vous savez, moi, je vais corriger. Alors, quand il fait rien, moi, je vais corriger. Et il y a une façon de corriger, mon frère, mon sœur. Tu connais que ça veut dire vraie correction? Quand on récit, corrige, dis-moi là. Pas toi qui disais, dis-moi, corrige-lui.
Vraie correction veut dire, même 10 ans après, du monde a besoin qu'à dire, moi, je tiens 10 mounes derrière, je passe un corrigement, je dis que qui m'a venu. C'est qu'il y a une correction. Correction va veut dire que tu es un pasteur, que tu es un leader, tu abuses de 10 mounes, tu fais violence à 10 mounes, tu dégrades 10 mounes, tu abaisses 10 mounes, tu servis toute qualité qui te en colère. Don't abuse your power. Build up people with your power. Le deuxième gloire à Dieu. Il y a une façon de travailler, mon frère, mon Seigneur. Il y a un livre qui s'appelle « Lead like Jesus ». Nous faisons diriger comme Jésus. Nous faisons un leader comme Jésus. Alors numéro 1, ceux qui peuvent venir supervisor, ceux qui peuvent venir manager, ceux qui déjà passé. Et où qui peut écouter moi là? Si vous êtes un leader ou la position, un leadership, vous besoin réaliser dans Jésus dans sa bande du monde là. Parce que dans sa chapitre, il nous fait clair, Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 9, sur une salle de télévision, lisez dans sa verset là. Tout ce qui te fait, hein, fais-le comme un diable peut faire pour Jésus. Regarde le verset 5. Whatever you do, do it as unto the Lord. Comme, oh Seigneur. Si moi, tant qu'il m'a dit mon nom, ben moi, obéis à moi, comme un diable peut obéir à Jésus. Mais moi, si pareil, moi, besoin expecte. Encourage, m'a dit mon, comme un diable peut encourager Jésus, parce qu'il y a Jésus dans eux. On peut dire Jésus découragé, besoin d'encouragement. Pas ça, on peut dire. On peut dire qu'on abuse de nous l'autorité, abuse. Ou comment vous pouvez écouter moi aujourd'hui, vous dire un pasteur, c'est un message pour prêcher de dimanche, ça? Ça, tu faisais président de réunion leader, ça? Et moi, dans l'exemple de la Bible, là. Mais si ça, tu faisais président de réunion leader, dans l'exemple qu'il m'a donné dans la Bible, bon, je ne sais pas si ça dans la Bible, alors. Parce que ceux qui parlent leader, si peut lire la Bible, là, peut lire ça dans l'exemple qu'il m'a donné, là. Ça peut comprendre ce que je peux dire. Non, non, non. Moi, je pense que tout le monde peut apprendre, écoute ce message-là et être sur vos gardes. Je dis, be watchful. Je dis, be watchful. Merci Seigneur, merci Jésus. N'a pas abuse de l'autorité. Numéro 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Aban leader, aban dirigeant. Abstenez-vous de ban menace. Je ne comprends pas comment un aban du monde besoin de pasteur connaît mon pasteur menace moi. Si je me trouve, toi quand tu es venu, je vais arriver à l'église. Comment tu ne peux pas menacer un du monde? Montre-moi que Jésus ne fait ça. Nous ne pouvons pas faire des menaces. Je vais vous faire. Zoom, moi, frère, zoom. Un leader qui menace Evan Dimoun, c'est un leader qui capon, qui perd. C'est la crainte qui peut être en menace Dimoun. Quand on a l'assurance, mon frère, tu n'as pas besoin de menacer personne. Tu n'as pas besoin de menacer personne. Tu n'as pas besoin de menacer ça pour donner. Tu n'as pas besoin de menacer ça pour venir à l'église. Tu n'as pas besoin de menacer ça pour venir à l'évangélisation. Tu n'as pas besoin de menacer ça pour prier. L'amour qui a fait toi faire ça. L'amour qui a fait toi faire ça. Et qu'est-ce que la Bible dit là? En anglais. Give up! Using violent words, abusive words. Leave off your anger. Dans la Bible s'appelle Mace, M-A-C-E. Écoutez, écoute ça bien. You masters have a just regard to them by softening your authority. Adoucis de l'autorité. Tu vas t'abuser de l'autorité. Parce que surtout dans l'église, nous devons soften. Nous l'autorité. Pasteur, on n'a pas pu écouter si nous sortons de l'autorité. Tu as accepté un mensonge du diable. Jésus, ce leadership, c'est doux. Prends mon joug. Prends mon joug. Mon joug est doux et léger. Ce joug n'est pas violent, n'est pas violence. C'est dictateur qui est violent, violence. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays de dictateur aujourd'hui. Je dis la gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Éphésiens chapitre 6, verset 9. Je suis un maître, je suis dans le leadership. Je vais agir de la même façon avec Banla, sachant que, connais, je te maître, lui aussi ton maître. Wow! Il ne pas dire ton maître, lui, je te maître. Il dit le peuple se maître. Il dit le Seigneur Jésus, lui maître le Banla avant. Il lui met le Banla avant, après le te maître. Souvent, quand nous vivons une position leadership, nous croyons bon Dieu, lui nous bon Dieu. Après, lui bon Dieu le peuple. There's God, there's Jesus in the people. Et non, Jésus dans le peuple. Il ne faut pas t'abuser de personne. Deuxièmement, on peut comprendre la pasteur. Sinon, quand vous venez pasteur, un jour, vous venez qui va arriver, vous prenez l'attitude, ou tu sais le bon Dieu, ou tu sais la prière. Si tu peux faire oppression, tu peux abuser de Bandimoun, ça Bandimoun là, si tu peux prier, bon Dieu, fais que je sois de la prière, hein. Rappelez-vous. Comment on peut dire, où on peut dire aussi, c'est qui peut que nous pouvons avoir ça, là. Mais ça ne va pas discuter, c'est ça. Garde pas tout. Rappelez-vous, Pharaon, tu peux dominer le peuple. Il se fait dominer, il se fait oppresser, il se forcer. Ça arrive à un nid, il se fait enfant infanticide. Tous les bons enfants.
Quel est cet abus d'autorité, abus de pouvoir? Tous les enfants, ainsi de suite. Le peuple de Dieu qui ne fait rien. Criez vers bon Dieu! Bon Dieu n'a pas eu moyen de délivrer eux. Rappelle-toi, toi qui leader, toi qui pasteur, toi qui leader cellule, rappelle-toi. Toi qui es dans position d'autorité, rappelle-toi. Ce peuple-là, quand vous criez vers bon Dieu pour tirer eux. Il ne faut pas un abus d'autorité. Je te dis amen, amen. Merci Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 22, la Bible dit abstenez-toi de toute espèce de mal. Merci Jésus. Je connais quand est-ce qu'il colère ou sorti par la bouche d'un leader. Je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de mesures pour vivre un leader. Surtout quand on dit un monde fait une petite chose, il ne peut pas faire du comme un bizarre. Du monde n'a pas de prendre ses précautions quand il sort la guitare là, il est en train de tomber, qui a mal servi caméra là, dans l'église, caméra là inaffectée. Du monde nous donne la responsabilité au quoi, il fait ça comme a besoin, et il ne fait pas responsabilité là, il ne prend tâche qui nous donne. Il va se faire comme il se doit. Là, la crainte rentre dans le leader là sur les quais. Colère rentre dans le leader là sur les quais. À cause de ça, la Bible dit à toi. Que le leader, prends les affaires et te faire. Découvrez ce tempo. Jamais il vous souffler. C'est pas ça qui est un peu comme ça. Ceux qui dans l'été envers les autres pays, tempo. Cook. Pressure cooker. Thank you very much, sister. Pressure cooker. Et notre fête n'a pas de périllon, mais c'est à moi de trouver ce métro où j'allais. C'est à moi de trouver ce périllon, moi. Frères et sœurs, quand tu vis un leader, découvert ce tempo, jamais il peut souffler. Tout le monde, frère, j'ai dit ça. J'ai dit, quand tu vis un leader, quand tu vis un pasteur, découvert ce tempo, jamais il peut souffler. Oui, Jésus, si, nous prenons l'exemple de Jésus. Jésus, ce magnifique, t'as l'aise au bout du Seigneur, t'allais nous prier, nous faire diffuser, sortir dans le sel, brille le banc là. T'es un petit peu soufflé. T'allais nous prier ça. Alors, numéro 1, en tant que leader, capable d'arriver à Banjimouna pour mal agir. Et moi, je vais vous faire. Vous connaissez qui fait parfois arriver à Banjimouna mal agir? Vous connaissez qui fait pas faire comme il se doit parfois? Parce que, ou leader, ou pas un bon exemple. Quand un leader, lui-même, il donne un bon exemple, c'est pas besoin de force du monde. Par lui-même, dans la même pour connaître. Il fait ça comme ça. Parce que un pasteur qui est droite, le besoin droite. Parce que quand il fait une réunion, il est assuré qu'il tourne bien passer de la réunion. Après, il faut fermer l'église, il faut aller. Il dit, parce que c'est habitué de checker si partout l'église est bien fermée, après il y aller. Laisse-moi aussi me checker partout. Ce n'est pas pour besoin de force du monde pour faire aller. Je te dis, lead by example. Écris ça dans le cahier. Même dans ton travail, si tu as besoin de faire ça, tu as un manager, tu peux sortir du dernier du monde, tu peux sortir du bureau, après, tu as tout la lumière. Parce que Rati, tu racontes un joli exemple. Ce boss, un de ce band boss, grand directeur de sa compagnie, ça un blanc, grand directeur. Un jour, Sarati peut travailler depuis tard. Boss, ça dit, qui n'a pas travaillé? Est-ce qu'à 8 heures, allez, mon patin, mon barrette, ouvrez ça avec toi dans mon bureau. Dis dans ce bureau, par un équilibre fait, Michel, Sarati peut travailler toujours. Et Michel, j'ai dit, tu l'as une briani, je te fais que tu l'as mangé. Michel, organise pour me manger pour se travailler. Daniel, on te fait aller à cette cabavalie, elle a l'une fermée. Quand tu peux compter un boss comme ça? Mais je suis pour content d'être un manager. Tu peux travailler overtime? Qui fait que tu peux travailler overtime? Ça veut dire que tu vas travailler pendant la journée? Qui fait? Tu peux comme pour payer ton overtime? Retourner toi-même? Non. Tout le monde, tu es pour content d'être un boss, d'être un pasteur, d'être un manager. Tu es autant content lui. Moi, je peux travailler overtime parce que mon travail en retard. Et mon supervisor reste avec moi. Et mon manager reste avec moi, Taï. Montre-moi qui fait, elle est là, ça vient du monde là, quand tu es pour besoin de service un jour, important de travail, pour débloquer un travail important, qui fait ce pas pour toi. Montre-moi, mon frère, mon sœur. Est-ce qu'il va déjà la même? Don't rule with a rod in your hand. Ça, c'est à l'époque, diriger avec un rot en bazar là. Ça ne finit, ça, mon frère, mon sœur. Est-ce qu'il va déjà la même? Merci, Seigneur, merci, Jésus. Le deuxième, on peut bénir la pasteur? Numéro 2. Ça m'a fini d'expliquer. Connais, si tu as besoin de connaître quand tu viens dans le leadership, tu as besoin de connaître qui est ton maître. Il y a aussi balance de maître et nous le mettre dans le ciel. Bon, bien content, ça prend quand la Bible dit, tu as besoin de connaître qui est balance, si je bon Dieu dans le ciel, hein. Faudrait pas pourquoi moi, en tant qu'un pasteur, dis mon bon Dieu qui est dans le ciel. Le peuple de Dieu, mon cas, fait ce qui m'a avec les autres, parce que je bon Dieu pas dans le ciel. Ton bon Dieu, mon bon Dieu, il est dans le ciel. Ça veut dire qu'il trouve tout. Si moi, abuse de ses enfants, la bon Dieu peut trouver. Il est dans le ciel. Il y a un contrôle. Il ne peut pas prendre n'importe quelle décision. Est-ce qu'il peut se jouer la même?
faudrait pas nous croire parce qu'il nous l'estrade, nous bonzer tout seul l'estrade. Eh ben là, si je bonzer l'estrade d'où? Ça peut placer ce bonzer l'estrade. Nous déjà bonzer quelque chose en moi là. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Et c'est tout mon content quand l'exercice, ben là, si je bonzer dans le ciel, les représente, ben là, je bonzer là-haut, tout qui chose. Si moi, un pasteur, mon récit gagne sa révélation là. Arrivez si je te fais rire, mais bon, c'est dit là-haut, je te rire. Moi, pour content, je te fais mon frère. Ça fait comprendre ce que je veux dire. Tu sais comment dire quelqu'un dit pas combien 100% de sérieux que bon Dieu, il y a encore la matière chrétienne, il y a encore semi. Semi-cuir, semi de l'huile, semi-synthétique. Tu viens, semi? Il y a encore comment dire des mille là. Si je réalise, moi, en tant qu'un leader, je gagne une révélation. Ce bon Dieu qui meurt de la croix pour lui, et régner dans les ciels. Pourquoi prendre un sous-tracas, bon Dieu, pour changer? Vous connaissez comment pas tracasser Rohan pour Covini? Il est absent pendant un peu de temps. Sauf bon Dieu encore dans les ciels. Bon Dieu pour pas contrôle de Rohan. Rohan pour venir l'église. Sœur, pour pas lui prendre un sous-tracas. Le deuxième gloire à Dieu. Numéro 3. Toujours dans ce contexte-là. Il disait, bon Dieu pas faire préférence personne. Devant lui, il n'y a point d'exception. Acceptation, bien acception de personne. Bon Dieu, pas faire préférence personne. Vous ne pas croire où en tant qu'un leader, bon Dieu, plus content, ou qu'un du monde qui n'est pas leader. Vous connaissez que ça veut dire, pasteur, ben, que ça veut dire un leadership, un leader, un qui a gagné de l'autorité? Ministre. Vous connaissez ça veut dire ministre? Servant. Nous vous apprenons de servir. T'as l'air, moi, tu dis ça, laisse-moi dire ça, c'était la même. Longtemps, c'est un triangle de leadership. Tout le monde du monde en bas, les là, gagne un des managers, les là, gagne un directeur, les là, gagne un boss net là-haut, comme un triangle, pyramide. Vous connaissez ça, c'est lead like Jesus? Triangle là, il reste triangle, mais il y en bas là-haut. Il y en bas là-haut. Net en bas, base là, base net en bas là, puis long là. C'est ça qui lead là. Les là, tu gagnes le peuple, tu gagnes les autres du monde. Toi, tu veux devenir un leader qui est capable de venir un encouragement, une base, une fondation pour du monde. Et non pas du monde venir une fondation pour toi. Je me donne un exemple. Parfois, arriver voir à Dieu dans un rayon spécial, nous demander quelqu'un de prier pour nous. Gloire à Dieu, je connais mon père prêcher tel pays là, je priais pour moi, mon père faire tel rayon, mon invité là, je priais pour moi. Gloire à Dieu, je priais pour moi, parce que mon père allait, non, allez, comment l'équipe, dans la prière. Mais mon père cabinet un leader, mon père prie du tout à se faire. Moi, mon père, du tout, moi. Triangle, comment dire, moi, dépend de l'eau. Moi, je dois pointer triangle, net là-haut. Moi, dépend de du monde, on va la prier pour moi, vous autres, priez pour moi, priez pour moi. Moi, pas prier du tout. Toi, tu priez pour moi, moi, pas prier du tout. Non. Mais vous avez un leader, le même qui priait, le même qui lead, like Jesus, nous dirigeait comme un exemple. Je dis gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ok. Deuxième exemple. Lévitique, chapitre 25, verset 43. Tu peux pas y aller, s'il te plaît? Lévitique 25, verset 43. Ok, Lévitique 25, verset 43, il dit, « T'as pas pour diriger au ban là avec agressivité. T'as pas pour rule over them, harshly. T'as pas pour rule over them dans l'oppression. T'as pas pour dominer au ban là vigoureusement. T'as pas pour traiter ban là comme un esclave. Mon frère, mon cher, faudrait pas comme on va juste faire cellule ou traiter ban du monde là comme un esclave. Faudrait pas comme de nous, l'église, quand on gagne une responsabilité dans l'église, faudrait pas autre personne comme un esclave. Jésus est venu pour tenir de l'esclavage. Comment moi, toi qui pasteur, m'aurais mis du monde d'esclavage? Est-ce qu'il m'a anti-Christ? C'est aller contre ce que Jésus veut faire? Est-ce qu'il peut déjà la même? Donc, on échange la parole de Dieu. Faut pas qu'on mette du monde d'esclavage. Faut pas qu'on menace du monde là. T'as pour faire ça, t'as pour faire ça là, malé à l'autre, t'as pour faire du travail, t'as pour finir tout, t'as pour trouver, t'as pour ruiner, t'as pour manger 4 fois, t'as pour revenir dans l'église là. Moi, je commande du monde qui se passe un des autres ça. Nous, la langue pas qu'à venir dans la langue des vipers, nous, la langue pas supposée à, ne pas supposée à le procurer de la paix, ne pas supposée à le peace, ne pas supposée à annoncer la paix, nous. Même il est arrivé du monde à faire rire. Montre-moi quand tu nous as dit ça à tes propres enfants. Tes enfants vont faire prier qui ça? Est-ce que nous avons des enfants? Tu peux manger 4 pâtes pour revenir, la langue pour long, et la monnaie de l'eau. Mais si tu poses enfants, nous pensons que le peuple n'a pas supposé tes enfants, ça? Est-ce qu'il peut dire la même? Je ne suis pas capable en tant qu'un leader, en tant qu'un pasteur. Je prends juste l'honneur, je suis un papa spirituel.
Honore-moi pour mon anniversaire. Honore-moi de telles affaires. Avec ces mots, je ne peux pas les quitter, papa, vous êtes. Est-ce que le peuple de Dieu peut comprendre mon langage? Il est pareil quand tu peux venir supervisor. Tu connais qui fait un. Je connais qui fait un supervisor, il fait attention, le du monde pense aux places. Un vrai supervisor, vous êtes content. Quand il y a une réussite en train d'être quelqu'un en Bali, l'autre à la team, une supervisor, il occupe une autre équipe. C'est peut-être ton travail pour ma business, tu n'as pas besoin de payer. Mais s'il vient supervisor, il prend un membre aux places. Puisqu'il vient ton récit, il vient supervisor. Tu n'as pas qu'à rester en place. Toi, tu as bougé tout le monde d'un level là-haut. C'est la crainte position, la crainte perdre des autres places, la crainte d'enchaîner le petit game plus connu que les autres. Les là qui ça, ça vous dérange, mon frère, mon cher. Je te dis, passé un peu aux moments là. Malheureusement, ça, ça verset qui nous lit à Lévitique, chapitre 25, verset 43, quand la Bible dit, c'est pas pour diriger, ça va dire mon là avec l'oppression, vigoureusement, ou bien avec la crainte, c'est pas pour dominer les autres comme un dictateur. Mon écrit dans mon cahier là. Malheureusement, c'est dans la clé qui beaucoup m'ont dit perdu. C'est la clé qui disait qu'on gère les autres postes, ça. Parlez comment la clé de l'auto de God de te pose. Parlez comment la clé de la carence de God de te pose qu'on n'a pas perdu. Ça, les types de la clé pour tout le monde du monde dans le leadership, il faut désormais nous perdre ça, la clé là. Qui la clé ça c'est hein? N'a pas fait dominer du monde. Le deuxième gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Et qu'est-ce qu'il disait dans verset 43? Sa peuple là, mon peuple, m'a fait une rachet d'autres, m'a fait une assez d'autres avec un grand valet. Et bon Dieu, que Jean Moïse comme ça. Comment parmi nous aussi, pareil, nous rendons souliers, Moïse. Nous pouvons diriger le peuple, nous aussi. Mon frère, monsieur, hein? Nous devons arrêter de dominer nous, le peuple. Je connais Jacob dit une jolie phrase un jour. Jacob dit si mon force, sa troupeau là, je te risque mort. Si mon fait bruit et que sa troupeau là, je te risque mort. Parfois, il est facile de nous critiquer un jour, nous devons arrêter de l'église. D'une abandonnée. Mais qui fait une abandonnée? Est-ce que nous sommes capables de dire pas que qui fait une abandonnée? Est-ce qu'il veut déjà la même? Merci Seigneur, merci Jésus. Il fait toute une différence quand on corrige du monde en colère, ou corrige du monde parce qu'il ou en colère, une tape locale, et on corrige du monde par l'amour, mon frère, mon cher. Il fait toute une différence. Laisse l'amour venir comme tout. Alléluia. Nous devons diriger, nous devons être un leader dans l'amour, nous devons être un dirigeant dans la grâce. Nous devons être un dirigeant not damaging. Faut pas nous faire nous cause un dommage moral, émotionnel dans la vie du monde, la façon qu'il nous peut diriger. Le deuxième gloire à Dieu. Merci Seigneur. Moi, vous dites ça. Si tu as envie d'être un leader, si tu as envie d'être un pasteur, tu as envie d'être un leader, qui du monde pas critique toi d'être les deux, pour faire mon Seigneur. Pas venir quelqu'un qui est rude, abusive dans la façon de faire. N'a pas qu'il bande victime pour tout que tu allais, mon frère Moussaïa. Tu as besoin de traiter du monde dans l'amour, dans l'honneur et dans la dignité. Let us lead like Jesus. De tout jamais. Ça l'a même un verset dans Ephésiens, je connais qu'il disait là-bas. Il disait papa, pas besoin de provoquer tous mes enfants pour faire colère. Il disait papa, pas provoque mes enfants pour faire colère. Au contraire, très heureux comme un nourrisson. Ça, c'est un nourrisson, petit bébé. Prends soin. On va nous trouver une maman qui est tellement agacée que ses enfants tellement peut pleurer. Les prends les enfants là sur les pieds. Après, il a volé, voilà. Tu peux répondre devant ta fille de tout côté, comme un dessin animé. Non, c'est dans l'amour. C'est dans l'amour. Mais nous faisons dans l'amour. Sinon, si tu peux dans l'amour pour faire leadership, tu n'es pas supposé faire leader alors. Tu es un follower. Un vrai leader besoin d'une quantité d'amour qui besoin. S'il fallait pas douzaine, il besoin d'une pas douzaine. Pour qu'est-ce laisser n'a pas. Pour contenir, il besoin d'une quantité d'amour là. Malheureusement, nous peintions une image, leader avec des jolies positions qui existent. Non, non, un leader besoin d'une patience qui besoin. Je veux dire que Moïse dit, Moïse dit, bon Dieu, si ben pas rentre là-bas, tiens mon nom dans ton livre, s'il fallait mon parent dans l'échelle, Seigneur. Quand est-ce qu'il nous vient un leader comme ça? Qu'est-ce qui nous pourrait avoir un pasteur comme ça? Quand nous pourrions avoir un leader, je dis, Seigneur, pardonne ce peuple-là, Seigneur. Au lieu de nous craser, comment dire, Satini Coco, au lieu de nous craser, comment dire, faire la menthe avec un peu de pomme d'amour, quand nous mangeons bouillani. Non, mon frère, monsieur, c'est pas bon. Je dis, j'aimerais comprendre la pasteur. Je vous trouve ça dans Colossiens, chapitre 3, verset 21. Je dis, papa, don't exasperate your children. Attention, je perds du courage, je t'abandonne. Dans une version, il disait, Father, don't make your children bitter. Pas fais-je amer. Don't upset your children.
If you are too pleased, sorry, if you are too hard to be pleased, they might stop trying. C'est une jolie version ça. C'est version E et V. Si toi tu es un chicken, trop dire pour réussir à faire ton plaisir. Madame, j'avais promené, je ne peux pas faire ton plaisir. Il y a deux affaires. Ça me comprend ce que je veux dire. Et beaucoup vont me dire pour venir manager. Et l'infini commence à venir. En tout temps, moi, j'ai un chicken qui fait commencer dans l'église, dans le leadership. Il ne faut pas faire toi, garçon, le sang, moi, de faire travail, moi, de temps pour faire là. Tu n'as pas fait jusqu'à 60%, tu n'as pas gagné rien. Passing mark, c'est 30 points. Tu commences à l'adoration, tu commences de la guitare, tu commences de toc-toc, tu commences de toc-toc dans l'église, 30%. À cause ça, quand tu es absent, parfois, passer par téléphone, au téléphone, tu as brosse sur la tête là. Et fais ça, ben l'absent, tu guides. À cause ça, toi, quand tu vas venir, passer par toi, fais-toi pas venir, passer par le bureau. Mais ça, ben là, là. Un jour, tu vas venir, tu guides qui passer. Tu veux? Toi, ton passing mark, c'est 30%. Ben là, ce passing mark, c'est 70%. Différents niveaux, spiritualité, dans le leadership, y aller comme ça. Ok. Gloire à Dieu, merci Seigneur. La Bible nous donne un framework, la Bible nous donne un set of rules, un guideline, si je suis capable de dire, qui a été le leader nous examiner. Est-ce qu'il est capable d'arriver à cause de nous qui s'ajoutent dans toute l'église? Est-ce qu'il nous a réfléchi ça? Ou bien il est trop facile pour nous mettre un tag, hashtag, dans toute l'église, il n'y a pas fréquent de lui. Est-ce qu'il ne nous a réfléchi à cause de moi qui l'ai quitté l'inali? Ou bien que ceux qui ont le leadership là? Nous devons rectifier ça. Nous devons faire le maximum pour que ça paraît arriver encore dans le nom de Jésus. Je dis amen, amen. Je termine un EPC de sa base, de sa introduction là. 1 Pierre chapitre 5, verset 2, 3. La Bible dit 1 Pierre chapitre 5, verset 2 et 3. La Bible dit toi, berger, dirige sa peuple là, parce que sa peuple là appartient au Seigneur. N'a pas exercise. Your authority under compulsion, mais fais-le volontairement. La Bible dit, toi qui es leader, tu ne décides pour être leader, tu es obligé de faire des affaires volontaires et non pas faussées. Comme on vit une église, par exemple, quand on a une réunion 5h du matin, excusez-nous d'entendre dire, à cause de qui m'ont mis à 5h du matin. Vous avez entendu ça? Même si nous arrivons privés dans mon avis, mon père récit peut-être à l'anniversaire de ma famille, ou bien mariage, ou bien atteindre une family function, parce que mon nez a fait pour faire de l'église. Mon nez a dire, à cause de peuple, vous n'avez qu'à commencer plat pour venir à cause de. Non! Parce que comme on acceptait pour une leader, on faisait aller volontairement. On acceptait pour faire cellule, volontairement, on faisait aller constituer aux cellules. On n'a pas faussé. Il n'y a pas qu'une responsabilité où on prend de l'église. On faisait aller volontaire. Et non pas par force, ou faussé pour faire cellule, ou faussé. Non, mon frère, monsieur. Merci Seigneur. Et moi bien content toujours de pire. 1 Pierre chapitre 5. Il fait les quêtes trembler ça. Nous quittons ensemble. Tu peux pas lire ce verset, s'il te plaît? 1 Pierre chapitre 5, verset 2, 3. Baissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas comme contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide. Arrête la même. C'est une phrase bien fausse à ceux qui pouvaient leader et ceux qui déjà dans le leadership. Faudrait pas moi exercer mon autorité en leadership pour mon propre gain personnel. C'est pas bon, mon frère, monsieur. Je connais un anglais qui dit ça. Don't try to be a leader, a greedy leader. Nous pas qu'à venir un leader gourmand. Nous pas qu'à venir un leader grolisier. Nous pas qu'à venir un leader nous juste envie, c'est qu'il dit mon âme, non. Frère, un jour qui va faire meilleur l'auto, plus bon l'auto qui moi, moi, vous êtes content en tant qu'un leader, moi, bénis-toi dans le nom de Jésus. Je veux dire, pasteur, je vais partir, je vais faire. Gloire à Dieu, le Seigneur bénisse. Je veux faire plus beaucoup de classe dans l'éducation qui moi. Gloire à Dieu, je vais être content. Et non pas me greedy. Comment est-ce capable de dire oui? Moi, je suis un pasteur qui est généreux. Il bénit moi, il bénit ma famille, il nous a donné quelque chose. Je ne veux pas cause spirituelle là. Je veux cause matérielle. Parce que quand moi, je honore pasteur là, spirituellement, je honore lui. Et spirituellement, tu as juste honoré de pasteur, frère. Ou bien matériellement, tu honores de pasteur. Alors, je ne peux pas expecter l'épisode d'écouter ça, vous savez. Il a déjà passé quelques heures en moi, là. Combien nous capables de dire, oui, nous pasteur, il n'est pas greedy, mais il est generous. Je me raconte ce que mon pasteur fait. Il fait telle affaire pour mon enfant. Je me raconte ce que mon pasteur fait. Il ne les a pas mangés. Viens faire réunion, viens faire cellule, comme moi, viens visiter moi, viens chez moi, le problème. Mon pasteur, celui-là. Combien pour nous capables de dire ça? Si nous, en tant qu'un leader, nous, un pasteur, nous avons envie de sortir de la case, un l'air, dans mon réunion, un l'air. Mais quand le peuple a bizarrement n'importe qui, il n'y a pas de téléphone pour prier pour lui, mais vous êtes allé.
Bon, bien sûr, va attendre juste 2h du matin au téléphone pour moi, ou passez prier pour moi, mon ventre est fermé, mon cerveau est gratté, ou prier pour moi, mon tête est gratté. Mais vous êtes sage. Mon besoukou, qui a été leader au besoin, vini. Le deuxième gloire à Dieu, de sa version là-même, elle a dit pour dire, le verset 3, do not act as dictators over the people. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans l'autre version, il dit, il ne faut pas tenir une bossy attitude. Il ne faut pas tenir une bossy attitude. Même te la paix capable comme un boss. Laisse la paix venir comme un boss. Le big boss. Il ne faut pas tenir l'attitude comme un big boss. Le deuxième gloire à Dieu. Et la Bible vous dit, tu devais venir comme un modèle pour le troupeau de Dieu. Tu devais venir un modèle pour le troupeau de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. On va rapidement dans des versets. Dans Matthieu chapitre 25, le verset, chapitre 20, verset 25. Tu as mis ça à la télévision, Matthieu? 20, verset 25. Jésus n'appelle pas un disciple. Et Jésus peut être un disciple. Jésus peut causer un solide leadership de Jésus. Et Jésus peut dire, ben leader de ma nation. Écoute bien ce que je vais vous dire. Jésus peut causer un solide leadership et il peut montrer, ben là, leadership dans sa lémon là comme ça. Je ne parle pas de venir comme ça. Mon leadership, il ne faut pas venir comme un leadership dans sa lémon là. C'est qui Jésus dit. Jésus appelle les disciples, les 12 disciples, souligne ça, les appelle là. Je connais eux qui sont chefs de ma nation, qui ont un poste leadership dans mon pays, dans mon endroit, dans mon organisation, dans ma nation. Je suis un tyran, ça veut dire tyran, dictateur. Je savais la force pour quelque chose, abuse de Benjamin pour quelque chose. Gueulez verset 26. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Souligne ça, mon chupi. Dans une version, il faut des paris comme ça parmi nous. Parmi ceux, il faut des paris comme ça. Jésus peut dire nous, dans le monde, et non, ben, leadership. Ben, dis-moi qui est dans l'autorité, qui abuse de cette autorité. Mais Jésus dit nous, il faut des paris comme ça parmi nous. Amen. Jésus peut causer un leader, oh, c'est un leader. Le deuxième pasteur peut causer un moment, là. De verset 27. Et là, Jésus pour dire, si quelqu'un a envie d'être grand parmi eux, il vous a une petite utile, il vous a servi. Vrai leadership. Jésus, sa verset là, il va pécause avec ben, tout le monde, il va pécause avec la foule. Jésus, il pécause avec ben, leader. Vrai leader, vrai pasteur, vrai homme de Dieu. C'est quelqu'un qui est content de servir, qui est capable de servir. Malheureusement, du monde, je suis dans la bonne attitude, je commence à servir au commencement. Et là, quand je gagne le titre pour pastoral, quand je rentre dans le leadership, je vais oublier c'est quoi le service. J'ai envie du monde de servir, je viens là. Quand à Dieu, nous faisons une bénédiction, du monde, honore-toi, respecte-toi pour servir. Oui, ça pour viser, non. Mais toi, tu vas supposer servir le peuple? Est-ce qu'en tant qu'un leader, mon besoin rappelle-toi Jésus-Christ? Tu laves les pieds dans le disciple. Quand vous gagnez ça, mon leader, là, dans l'église, il y a la joie pour moi, mon frère, mon soeur, quand on fait manger dans l'église. On finit manger, ou bien avant de manger, on tout le monde finit manger avant. Le béni bana, ouais, dis-le, correct, coca, nous servis de tout. Béni, ouais, donne style qui ken. Souvent, est-ce qu'il est peuple de Dieu la même? Je me rappelle, mon est allé à un mariage, pasteur Daram, ce type qui peut marier. Je finis manger, je me trouve dans le dimoule, moi, c'est pour servir manger. Je tiens mon costume, je mets l'eau, je risque mon lamance là-haut, je commence dans le coup de main pour servir manger. Je connais, moi, pasteur Daram, ça allait pour quand même, c'est un peu ressemblé, une fillette, c'est un peu pareil. Maintenant, j'ai pasteur Daram, tu es là, tu es avec un garçon aussi, mais quoi, ton garçon, tu es ici? Maintenant, appelle-moi garçon, pasteur Daram. Daram de Flac. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous besoin dans l'attitude serviteur. Et tout bon leader dans nous l'église, que ce soit au leader cellule, au leader rayon jeune, au leader à l'école des enfants, n'importe qui leader dans nous l'église. Et même si tu peux couler moi par n'importe qui moyen, ou peut-être la voix. Développe une attitude pour servir, mon frère, mon Seigneur. Ça va mener nous bien loin. Je dis amen. Donc, dans cette déversion encore, qui fait nous gagner pire, ça fait pas pire, mais toujours, il faut garder nous bien en ligne. Tu connais qu'un maçon rentre dans la case, il met un la corde là-bas, sorry, un poteau là-bas, il résine la corde, la ficelle ici, il assure que ça la corde là bien droite. Comment connaît-il que Bobby Diaoula? Il veille d'assurer que ça la corde là bien droite. Ça déverse là, il commence à dire la corde qui bondit, il mettait pour garder nous bien droite.
Premièrement, dans Exode chapitre 22, verset 22, la Bible dit « You shall not afflict the widow ». Tu ne vas pas faire dominer avec une veuve. Tu ne vas pas wronger une veuve. Et tu ne vas pas faire dominer avec une veuve qui peut être maman et papa. Pour faire mon Seigneur, quand nous venons de position leadership, il ne faut pas nous faire dominer avec une veuve. Il ne faut pas nous dire à ce mari pas là. Il faut donner un peu l'affection, l'amour aussi. Il faut nous rendre un engagement sexuel. Il ne faut pas abuser d'un monde quand il veut. Il ne faut pas abuser d'un monde quand il veut. Il ne faut pas abuser d'un monde quand il est orphelin. En te venant, maman, papa, venez, me triquer, me prendre tout au terrain, me triquer, me couiller une temps, me prendre tout au casque. Non! Quand nous venons de position leadership, nous devons aider et non pas abuser de bonnes veuves et de bonnes orphelins. Parce que ça veut dire si un monde orphelin ou bien veuve, il ne faut pas m'abuser. Mais ça veut dire qu'il n'est pas veuve. Non, non, non. Les veuves, les pas veuves, tu ne vas pas abuser de personne. Je dis gloire à Dieu. Dans une version, il dit, don't take advantage. You shall not take advantage of any widow or fatherless. Qui ça, mon frère, mon soeur, il vient un avertissement. Si vous pouvez écouter moi. Vous pouvez qu'on. Et ceux qui peuvent écouter encore une femme, vous pouvez dire où? De nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui quittent, qui bon Dieu peut lever dans le leadership. Un jeune qui ken qui bon Dieu peut élever dans le leadership. Un conseil pour nous, si vous pouvez écouter moi, ou un jeune leader, et n'importe quelle responsabilité au nom de l'Église. La Bible dit cause avec sa frère qui est plus vieux que toi là. Cause avec sa sœur qui est plus vieux que toi là. Comment dire ton maman, cause dans ton respect. Pas ton camarade ça. Sinon, de là, dans l'Église, vous pouvez avoir quelqu'un, je te cause avec un monde dans l'Église, comment dire que tu es ton camarade. Tu cause bride, tu cause avec ton langage, tu peux blesser un monde, mon frère, monsieur. Tu peux cause avec respect. Avec sa dimouna. Pas toi qui ne paye pour lui. Jésus ne paye pour lui. Tu as besoin de cause avec respect. Tu as besoin d'honorer. Je te dis amen, amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Est-ce qu'ils ont remarqué la Bible va dire un démon qui t'abuse de ban veuve, un démon qui t'abuse de ban orphelin. Mais c'est toi qui leader, n'a pas abusé des autres. Exprès ça, mon frère, mon cher. La Bible va dire un démon, le diable. Non, la Bible, c'est toi qui leader. En fait, quand je vous trouvais, quand Moïse peut expliquer là, il peut expliquer un leader, il peut expliquer le leadership. Tout ça fait, ne pas qu'un mec mette tout le démon. Toi, tu as notre rôle à jouer. Tu as notre comportement, tu as notre façon de faire. Le Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Proverbe chapitre 22, verset 22, la Bible dit pas qu'aucun man qui pauvre. Pas qu'aucun man qui pauvre. Pas dépouille man pauvre, parce qu'il est pauvre. L'éternel pour prendre de part, l'éternel pour défendre de part. Mon frère, mon Seigneur, n'a pas coquin man du monde. Quand nous vînons leader, il ne faudrait pas nous coquin du monde. Il ne faudrait pas nous coquin du monde sur casse. Il ne faudrait pas nous coquin du monde sur les temps. Il ne faudrait pas nous coquin du monde sur l'équerre. Il ne faudrait pas nous coquin du monde sur. Prenez-moi, coquin du monde. Et ben, quand l'école, il ne faudrait pas prendre professeur pour qu'un jeu de crayon mine. Pourquoi que je vais prendre quelqu'un qui est coquin de leadership? Tu travailles neuf? Si tu es neuf, comment peut-être un supervisor neuf? Maton? Charger? Charge nurse. Il ne faudrait pas charge nurse qu'aucun stéthoscope. Par exemple, on peut donner un exemple. Il ne faudrait pas banquer là qu'aucun ce qui est pour nous. Tu es venu l'église avec un joli motoscrit. On ne peut pas dire, ouais, on peut dans un motoscrit là, waouh. On fait une manière, on peut tout le monde verser la Bible, je t'ai connu, la Bible, je devais te donner. Et la Bible, je devais te donner sans la même. Et je devais te donner avec sans la même. Je devais te donner sans même avec sans la même. Il est malheureux. Nous avons dit que nous avons servi l'évangile pour grossir eux-mêmes. Il n'est pas bon ça, mon frère, monsieur. Vous prenez compte à bon Dieu. Ok, mais pour prendre les restes des temps, maintenant, vous donnez-nous l'exemple de la Bible. Là, je explique une base, et bien, ça ne faut pas nous faire. Il ne faut pas nous gagner un leader de voler. Je vais écouter, tiens, ça le journal. Tiens, ça le journal. Un qui gagne un pandit qui n'a fait Montréal, il n'a pas le journal. Je ne vais pas inventer, il n'a pas le journal. Un pandit qui n'a fait Montréal, il n'a qu'un iPhone de Montréal. Pendant qu'il peut faire ce système. Non, n'a pas rien, n'a pas rien. Il ne va pas critiquer la religion là. Non, je vais donner l'exemple. Il peut faire ce seul, il est narcissé, il trouve le téléphone là-bas, il peut faire ce, il peut quitter toujours, il peut quitter toujours. Finalement, ça ne rentre de ce poste et je donne rentre de. Et ça, c'est le journal. Je connais mon petit temps d'affaires. Quand on trouve un leader qui fait erreur, ça montre nos maturités, nos récompenses à un erreur. Et ça, un investissement, il ne faudrait pas nous faire comme ça. Le job, il ne faudrait pas à critiquer. Ce n'est pas ça le job. Le job, c'est nous laisser nous ouvrir. This, we should not do that.
Le deuxième passage de gros en moi là. Ok. Nous avons un exemple dans la Bible. Matthieu chapitre 6, verset 16. Marc 6, verset 16. Et Matthieu 2, verset 13. Je prends mes messages, je vais réécouter, je vous garde une référence. Là, c'est un démon qui s'appelle Hérode. Là, nous voulons l'exemple carré, cri. L'exemple après l'exemple de la Bible maintenant. C'est un démon qui s'appelle Hérode. Hérode, c'est un démon qui tient une responsabilité, qui tient un poste important qu'il peut occuper, qui tient un pouvoir dans la main, qui contrôle un endroit net. La Bible demande à Hérode, Marc chapitre 6, verset 16. Hérode, l'une fait décapite, tient l'icou, coupe l'icou Jean-Baptiste. L'une donne l'ordre, l'une donne instruction, après ça, abus d'autorité, pour tenir du monde dans son poste. C'est pas une tient Jean-Baptiste dans son poste, l'une tient l'icou directement, tient son l'icou directement. Et vous connaissez qui joue l'une fait ça, Frère Sanjay? Vous connaissez qui joue l'une fait ça, joue son anniversaire. C'est un héros de son anniversaire. Hérode fait une grande fête, il invite tout le monde du monde renommé dans son anniversaire. Comment on explique ça? Jour qu'il est ouvert l'isier pour la première fois dans la terre. Jour qu'il est ouvert l'isier première fois dans la terre comme un petit bébé quand il est né. Il servit ce jour-là pour faire même du monde sur l'isier pour l'éternité. Quand il joue Jean-Baptiste. Extraordinaire, ça, frère. Faudrait pas nous servir de l'autorité. N'abuse de nos pouvoirs, de nos autorités. Je connais, mon super, par exemple, moi, ça du monde habité, vraiment. Il habité, mais plus joli lens que moi. Ce CV plus joli que moi. Moi, vous avez fait une manière, les sources là, y aller. Alors, moi, servir ma position, moi, faire tout pour que les sources dépendent de moi, y aller. Faudrait pas nous faire comme ça. Et dans Matthieu, chapitre 2, verset 16, ou verset 13, la Bible dit Hérode, in the Lord, pour tous les bons enfants. Tu connais ça quand Jésus est né. Même d'après Pharaon, qui fait Pharaon, il a position leadership, et il donne l'ordre pour faire infanticide, bébé. Pour tuer les enfants. Nous ne sommes pas capables, un démon qui veut fonctionner dans le leadership role, dans le rôle leadership, et on abuse de bons enfants, nous tuer les enfants, nous faire avortement. Prenez-moi, nous. Non, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Un affaire qui est parti bon dans la Bible, c'est ça, à l'époque, je dis tout, il n'est pas bon. Bon, il n'y a qu'on pas bon même. Mais là, c'est un exemple clair et carré, clair. Comment dit-on qu'il donne place d'autorité, il servit sur l'autorité, il donne l'autre qui n'a pas besoin de lui faire tuer les enfants. Le deuxième, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Genèse chapitre 39. Moi, je vous donne un autre exemple dans la Bible. C'est une madame, Genèse chapitre 39, qui appelle la femme de Pétiphar. Pétiphar, il est un gouverneur, il est un supervisor, il est un manager, il est un poste sur l'autorité. Alors, son madame, il trouve Joseph bien joli. Il trouve Joseph joli garçon, beau gosse, lisier par un équipe, cheveux, Mr. Mauritius. Ce cheveu, c'est un muscle. Je peux te dire à toi. S'il est concentré comme ça, s'il est concentré, il guette toi la frère. Un muscle dressé dans ce CV. Vous savez comment c'est le CV chouban comme ça? Dressé là. Ou bien cheveux, comment t'appelles? La biche. Frère, ça n'est pas pour garder pareil. Ça n'est pas pour garder. Il fait un cheveu, il n'est pas pour garder ça. Madame là, montre-moi sa verset là, mon petit fille. Madame là, lui servit son position, l'autorité. Et lui vient dire à Joseph, couche avec moi. Et dans ça, dans la Bible, moi, volonté pour prêcher ça. Faudrait pas qu'on nous donne position, l'autorité. N'abuse de nous l'autorité à cause de nos pouvoirs, nous plie là-haut, nous supérieurs, nous fausse vendre du monde pour en gazer de ma relation sexuelle. Le deuxième pasteur, continue à prêcher. Un peu plus fort. Il ne faut pas nous trouver ça en tant que professeur avec les élèves dans l'école. Il ne faut pas nous trouver ça avec le directeur, avec le manager, avec l'autorité, avec quelqu'un qui travaille. Il ne faut pas nous trouver ça dans l'église. Et qu'est-ce qu'il a dit dire jour après jour? Montre-moi ça le verset là. Jour après jour. Aïe là. Verset 10. 39, verset 10. Tous les jours. Tous les jours, Lydia Saint-Michel, la couche avec moi. Tous les jours, quelqu'un qui donne l'autorité, là, d'avoir un message, hein, un message indécent, de faire un proposeur, de faire un avancement, de faire un acte. Parce qu'il faut un acte qui donne pas l'autorité, il dit quoi, tout est permis. Il ne faudrait pas, mon frère, mon Seigneur. Il ne faudrait pas où qu'il donne l'autorité, ou faire pareil avec du monde qui est en bas où. Même si on est un pasteur, même si on est un leader, même si on est un professeur, même si on est un docteur, peu importe qui il fie, qui carré ou la vie ou dans la position ou dans l'autorité. Il ne faut pas avoir abuse de l'autorité pour qu'il vous satisfaire ou plaisir sexuel. Le deux amen. Vous pouvez faire comme à Joseph.
Parce que je me sens moi comme ça même dans mon travail. Ben là, vous faites ça avec moi. Mais je vous ai fait comment Joseph? Qui la Bible de Joseph il fait? La Bible de Joseph il fuit. Il sauve, il fuit. Il évite ça, Dimoun là. Il va en trois assassiner Dimoun là. S'il fallait, il quitte ce travail là. Mais il ne peut pas faire ça. Mon frère, mon frère, voilà qui a été Dimoun où vous avez venu. Si Joseph était dans l'orgueil dans son équerre, allez nous voir dans l'autre exemple encore. Bathsheba avec David. Allez nous causer un petit bout de l'eau là. Alors, premièrement, nous trouvons madame là, une service aux positions d'autorité pour exciter sa garçon là, pour qu'il y fasse sa garçon là, pour rendre dans une activité sexuelle immorale. Et deuxième, quand garçon là, il dit non, le service aux positions d'autorité lui met accusation dans Joseph. Tu connais cette histoire là? Je ne pas capable de servir aux positions, moi qui dis vous, mon frère, mon sœur. Bon Dieu, pas les personnes dans l'autorité pour. Il est facile pour du monde dans l'autorité quand Dieu a une affaire, nous quoi, c'est qu'il lui dit vrai. Il faut défendre nous servir une position d'autorité et nous acquise du monde. Et bien là, tu mets Joseph de prison. Sans que Joseph gagne sens pour défendre lui. Sans que Joseph dise ce qui veut rien arriver. Joseph, sans qu'il mette une enquête. Sécurité caméra. Ben, est-ce qu'il a dit une sécurité caméra? Longtemps parce qu'il y a une caméra de Mirail. Longtemps, un bodyguard qui s'y fait débouter, ben là, qui s'y sécurité caméra. Ben, un petit peu guidé. Tu capable de demander ça, ben là? Faut des femmes, mon frère, mon sœur, nous tombent dans sa bande piéza. Ça, les mots-là, fait venir de plus en plus dégradant. Mais sans ça, ce but, pour avertir ou protéger ou, et aux enfants, et aux familles. Faut des pas nous venir victimes de ce bande système corrompu, là. Je dis amen, amen. Allez, un peu plus fort. La Bible, justement, verset, chapitre 39, verset 8. L'une fonce lit, je vous trouvez la Bible dans l'une, verset 10, l'une continue supplier, l'une supplier. Mais vous n'avez pas imaginé, toi, un dimanche qui est dans l'autorité, mais supplie, toi. L'une supplier, l'une tombe dans mon pied, l'une embrasse mon soulier, l'une embrasse mon zon. Non, c'est non. Je disais non, c'est non. Je disais dans non, mais dans oui. C'est pas vrai que vous connaissez vous, hein, mon beau. Pas pour causer avec eux. Do not be intimidated. Pas laisse-toi intimider. Pour n'importe qui s'en a qui est en position de qu'on abuse de toi sexuellement. N'a pas laisse-toi intimider. N'a pas laisse-toi grimper. Do not cave in. Do not give in. Do not be afraid. Sauvez de ça qui te sauve, mon frère Moïse. Je te dis amen, amen. Merci Jésus. Et je connais une des bonnes raisons qui fait ici, femme-là, il fait ça. Parce qu'il se la voit pas être respecté. Se la voit. Viens avec moi, couche avec moi, viens avec moi. Cela ne voit pas être respecté. Alors, ils sont en position. Quand nous vivons un leader, quand du monde pas respecté, nous la voit. Gloire à Dieu, nous bénit. Mais venez pour dire, pour critiquer, sortir l'aller, on va aller te figure à faire. Non, mon frère, mon sœur. Quand tu vis un leader, pour arriver, parfois, ben, du monde va écouter toi. Quand tu vis un leader, pour arriver, parfois, ben, du monde va pour respecter your voice. Par contre, ça qui te besoin qu'il y ait du monde là. Bon, tu ne dis pas mettre sur le tour là, ni mettre sur le tour là, mais pas donner parking à terre. Non, c'est pas qu'un bon jugement comme ça, tu es besoin d'un amour. Mais tu dis amen. Ce film là, on peut bien dire là, ce film là. Ou quoi avec moi toujours là, on va dans l'Australie là. Toujours la même. Reza Maurice même, c'est nous, en tant que bandit de l'église surtout, nous avons besoin d'éviter ça. Même ça fait, ça arrive David, le tout qu'on dit sur David. 2 Samuel chapitre 11, le verset N. David en tant qu'il est roi. Frère, vous pensez que si David passe, il est roi. Si David est encore petit BSDP avec la guitare, son instrument qui lui faisait ça à l'époque-là. Si David passe le roi, il passe dans la position de l'autorité. Ou quoi, tu peux appeler sa femme-là? Ou quoi, femme-là, tu peux venir? Non! C'est quand David, il a accès à l'autorité, il a accès à pouvoir, il a accès comme un les rois. Il y en a qui lui servent sur l'autorité, il dit ça à notre terrasse, il trouve femme-là, il dit femme-là, vini. Et David, encore une fois, il guérit la relation sexuelle avec femme-là. Là, c'est trouve un abus de l'autorité. Mais tu es allé là. Faut pas ban leaders être greedy. Dans notre version, il dit, faut pas ban leaders être lustful. À cause de ça, ban leaders, il y a beaucoup de proverbes. Dans le proverbe, il dit, bois de l'eau de ton propre citerne. Bois de l'eau de ton propre réservoir. La sagesse est importante, mon frère, mon sœur, quand on vit une leader. C'est tout, amen. Maintenant, peut-être, quelle raison ou quoi, ça prend pas prendre un nom? Est-ce qu'il pourrait c'était un loguet? Ça, on va être plus près avec les rois? On pourrait être plus près avec lui? Alors même si on m'a dit mal, on va aller perdre ça sans ça, une occasion de présenter. L'orgueil, pour que toi esclave, même un dimoun qui t'abuse de toi, tu peux tout continuer une esclave de ça dimoun là. Humilie-toi, reste dans l'humilité, bon Dieu pour délivrer toi.
Je dis amen, amen. Allez, un peu plus fort. Ça veut nous donner l'exemple. Joseph, vous connaissez dans la vie Joseph, un jour, Joseph s'abuse de son autorité. La Bible de Genèse 44, verset 1, un jour, quand Joseph est devenu premier ministre, son frère est venu, je connais cette histoire là, son frère est venu côté pour manger, ainsi de suite. Et là, Joseph qui donne l'ordre. Joseph qui donne l'ordre. Prends mon tasse. Point de silver. Argent. Prends mon gobelet qui me fait avec argent, cassiette-li dans le sac. Un de ces garçons là, t'allais me voir qui est lui, au fin de manière, il est une mosquave, au fin de manière, il est là. Si Joseph, pas si premier ministre, pas si il a accès à pouvoir, dans cette époque-là, au quoi tu peux faire ça? Non. Là, c'est un exemple que Joseph, un abus d'autorité de Joseph se porte. Vous trouvez Joseph, il cache ça, il organise un coup lui-même. Vous voyez, il ne va pas arriver ça. Mais les amis intéressants, dis mon ami intéressant, après il y a Christ même. Qui est-ce qui fait ça? Après, il met tout le toi. Il organise tout, il pointe à Brinda. Il organise tout, Joseph. Après, il met tout le garçon là. Il ne faut pas nous venir comme ça, comme un leader. Je te dis amen, amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Joseph. Nous connaissons l'exemple Abimelech. Ah oui, il fait beaucoup l'exemple Abimelech. Genèse chapitre 20, verset 2. Genèse chapitre 20, verset 2. Alléluia. Un jour, c'est un roi qui s'appelle Abimelech. À cause de sa fils dans ses autorités, Abraham, il vient côté monsieur-là, dans ce royaume, il amène son madame, bien sûr, Abraham est venu avec son madame. Abimelech, qu'il y fait? Il reprend madame. Abraham. Vous connaissez ça? Abimelech reprend madame, c'est pas pour lui. Faudrait pas qu'on nous vienne un kiken qui dans l'autorité, qui dans le leadership, nous prend madame, ou bien monsieur qui pas pour nous. Que j'ai fait? Mauvais bien prêché l'affaire? Continuez à prêcher, pasteur. Continuez, parce que c'est là que je continue. Amen. Le Seigneur bénit toi, frère. Mais vous comprenez cette histoire-là, on connaît qu'un jour, bon Dieu, pour dire. Bon Dieu dit à Abimelech, you are a dead man if you do not return the wife of that man. Souvenez ça, mon TV. Qui va essayer de? Pardon? Verset 3. Bon Dieu, Dieu, ça qui est là, ton abus, ton quoi, ton l'autorité, ton prends pas un petit pas pour toi. Quel bon Dieu qui t'a dit? Bon Dieu, Dieu, ça, c'est ça? Ça veut dire bon Dieu, trouver quand il y a abus de son autorité. Bon Dieu, Dieu, dit, retourne ta femme là, sinon t'as un bouc qui meurt. Mon frère, monsieur, laisse ça venir dans la crainte dans nous les cœurs. Combien de fois, monsieur, tu attends l'amour? Personne. Mais il ne faudrait pas faire quand nous gagnons accès ou bien position de leadership, nous faire la peau à ça, même qu'il chose là. Je dis amen, amen. Allez, un peu plus fort. Tu es un head of department de travail. Ben, les autres professeurs là, c'est une femme, les autres maris, ça. On va apprendre eux. Je connais qui m'a compté avec Abimelech. Grand matin bonnet à l'élevé. Comment bon, c'est fini qu'aujourd'hui. Grand matin bonnet à l'élevé. Mais il retourne femme là. Si vous pouvez la voir aujourd'hui, ou un timoun peut-être qu'il y en abuse. On servit l'autorité, opposition, pas bus, et ben les autres tickets. On ne prend pas, connais-moi, un paillasson, une plume, un cahier, un laptop, pas connais qui on ne prend pas du monde. Mon frère, monsieur, tu m'en crois un jour et tout le monde. Attends, attends. Et une indifférence, c'est un du monde, il me donne toi un laptop. Il me donne toi une plume. Avec une indifférence, quand toi, tu en allais, tu en rafes ça par force. Avec du monde là. Il est arrivé dans le passé, mon gars, un tickets. Bon Dieu, tu bénis-moi avec un affaire, une technologie, mon papa vous dit que c'est une affaire. Un pasteur qui vient venir dire-moi, Eta. Allô? C'est la même là? Un qui vient dire-moi, Eta, et les jolis, moi tu peux attendre ça même, ta. Eta, Eta, et tu vas regarder moi ça, et bon Dieu va me faire de l'église pour demander ça, Eta, moi tu peux compter ça, te donner, et. Les raisonnements pour les trois mois, et tu sais, tu vas vous demander ça, taille. Allô, si moi tu n'as pas besoin de toi, de moléquer, même moi tu peux donner toi. Faites discuter vous êtes en moi, il pas de moléquer, il pas de moléquer. Priez bon Dieu pour nous donner l'autre. Quand ça nous trouve dans la vie, bon Dieu, c'est un affaire pour un quelqu'un dans le centre du monde. Et dans ça dans la vie, bon Dieu, pas qu'à multiplier, bon Dieu, pas qu'à craindre l'autre pour toi. Bon Dieu, qui est béni, moi, pas qu'à bénir toi. Il faudrait pas que je vienne leader, je te commence. Je te soif, ça fanta que ça ferait l'un, puis boire. Comment dire si vous nous donnez l'autre bouteille? Non, 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 non. C'est qui peut rendre sur la gauche, c'est là, là, ça va même voler. Mais pas qu'à comme ça, mon frère, monsieur. Je dis amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ça, c'est un exemple que vous trouvez un les rois de Guérard. Pas Guérard. Guérard.
Hein, je vous trouvez que tu abuses de son autorité et bonté, tu dis les restaurer ça, madame hein? Ah, pourtant, ça a restauré. Le deuxième, on peut bénir la pasteur. Mon encore l'exemple, on peut dire tout l'exemple qui vient là. Voici, vous écoutez là. Jézabel! Jézabel! Un roi chapitre 21, verset 1. Merci Seigneur, merci Jésus. Là, c'est une madame qui appelle Jézabel, lui qui femme les rois. Les rois qui appellent Marseille, lui trouve un dimon qui plante pommes de terre, bien c'est un potager, c'est un vigneron. À côté sur la case, c'est un terrain là, pas pour les rois ça. Les rois là, c'est dans tout terrain qui existait. Ils en ont beaucoup de terrain. Mais même ça intéresse, ça bougla, ils s'intéressent. Avec ça, lust. Faudrait pas qu'on devienne leader, nous lust, qui ne s'occupe pas pour nous. Là, il retourne la case, il dit à Mossad, ce femme, c'est qui est arrivé? Il dit, on a demandé ça terrain là pour moi, c'est évidemment non. Il y a une femme qui fait, pas, c'est pas qu'à dit. Don't worry. Bon, fais-toi bien ça terrain là. La vie de ma femme là, d'une servie lettre. Un title avec gouvernement, les rois, lettre. Il écrit, il stamp avec stamp gouvernement de cette époque-là. Il est organisé. Et la Bible dit, il fait tout du monde, il met un faux sens dans la botte, il met un faux sens dans la botte, il fait tout du monde pour un rose, avec un rose pour tuer une botte. Stone, la botte. Quand nous vîmes leader, nous avons bien le rose. Tout le monde fait aussi. J'ai dit, quand tu vîmes leader, ton rose, besoin pour construire et non pas pour tuer du monde. Your rock. Your stone needs to be to build up and not to kill someone. Vous dites amen, amen. Et voilà, c'est quelqu'un qui est en position de leadership. Il a envie de dismantle. Il a envie, comment c'est dismantle? Fini. Faire un business de Naboth. Naboth, c'est un business raisin. C'est divin, tout ça là. Il a envie de faire un business là. Nous pas capable quand nous venons quelqu'un qui est dans une position de leadership, nous faire un business du monde. Bon, si je m'appelle vendre la drogue, je ne vais pas appeler la drogue business, parce que le gouvernement ne va pas reconnaître ça. Je ne vais pas casser la drogue en business, ça vous est fermé. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mon frère, mon Seigneur, je voudrais premièrement l'esprit d'Isabel dans le leadership. Il servit dans le langage pour tuer. Il a envie de gagner ce que les autres du monde n'ont. Et qu'est-ce que Isabel, son langage? Tu es capable de gagner ce que les autres du monde n'ont. Quand nous vîmes leader, c'est ce qui nous a veillé. Pensez là pour venir, cachez qui vient, dis toi. Hey, tu n'as pas gagné ce baril de boule. Tu n'as pas gagné ce du rouge. Tu n'as pas gagné ce manzan de l'église. Tu n'as pas gagné ça. Non, mon frère, mon sœur, non. Il ne faut pas nous laisser l'esprit d'Isabelle infiltrer, pousser le genou. Merci Jésus. Pourquoi j'ai une question? À qui prie? Et là, on peut causer tout un leader qu'il a là, différentes façons qu'il est leader dans la vie. À qui prie on gagne ce qu'on gagne? What was the cost that you have obtained what you have? Est-ce que le prix c'était Bathsheba, tuer Uri, tuer sa femme là pour gagner sa femme là? C'était ça le prix que tu as payé? Dis-moi qui prie, tu as payé pour gagner ça? Tu as mis la main dans la gauche du monde pour réussir ça? Qui prie, tu as gagné ça? Sa veuve là, tu as abusé de ce bon droit pour te réussir gagner ça? Dis-moi. Qui prie de payer pour gagner ça? Tu commences à appeler? Tu faisais tout du monde pour te gagner ça? Tu faisais tout du monde depuis dans l'existence? À qui prie de gagner ça? Le deuxième gloire à Dieu. What is the cost? Je vais vous trouver dans le verset 8, les services ban official letter, ban lettre bureau. Parce que c'est beaucoup de monde qui est là qui travaille là. Hein? Les services ban lettre officielle. Les use of official letter, official stamp. Mail bureau pour l'activer personal agenda. Si vous travaillez ou un du monde qui travaille, n'a pas abuse de l'autorité de travail. Le deuxième, amen. Merci. Laisse-moi prudent, merci Seigneur. Laisse-moi prudent, mon frère Moseur, qui ne pas tombe dans sa même pièce là. Et qui le nom de Jésus-Christ, si vous êtes élevé en tout temps, ne faites pas l'église, parce qu'il y a une victime, nous trouve sa même affaire là, d'arriver dans l'église. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, un deuxième exemple. Amen. Merci Seigneur. Un du monde s'appelle Amon. Je vous trouve ça dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 3, le verset 8. Un du monde, il n'est pas bien figé, un du monde, il n'est pas content de Mordecai, Mordechai, il n'est pas bien se figé, il n'est pas allé au lit. Alors qu'il fait, hein? Ici, pareil, il cause avec les rois, il gagne l'aide, il fait passer un nouveau la loi, juste pour capable de tuer tout ce peuple.
abus de pouvoir, abus d'autorité pour tout le monde, pour finir le monde. Il ne faut pas dire ainsi parmi nous. Je dis amen, amen. Les services sur l'influence, il y a les à cause que les rois tout. Il y a la position d'autorité. Les services sur l'influence, par cause de quelqu'un. Tu connais ça, quelqu'un là, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'il n'est pas qu'à faire tes affaires, tes affaires, tes affaires? Ou la même, c'est propre. Il ne faut pas à cause où du monde perd du travail. Tout le monde fait aussi. Hein. Je dis, il ne faut pas à cause toi. Du monde perd du travail. Allez, un peu plus fort. Je dis, il ne faut pas à cause toi. Du monde perd du travail. Du monde arrive d'une église. Du monde perdu dans un foyer. Du monde perdu dans un mari. Du monde perdu dans une femme. Il ne faut pas à cause toi. Je dis, il ne faut pas à cause toi. Du monde perdu ce sommeil. Du monde perdu cette dignité. Non, mon frère, mon Seigneur, il n'y a pas bon. Nous devons respecter l'amour de Jésus. Luc chapitre 9, ça c'est un joli exemple. Luc, au moment de nous dire l'Ancien Testament, là, nous donne le Nouveau Testament. Luc chapitre 9, verset 54. Ça commet ça. Jésus, l'une diète des disciples, l'une diète d'un disciple, allez là-bas, allez à cet endroit-là, je prépare un affaire pour moi. Alors, quand un disciple est à cet endroit-là, un disciple finit refusé. C'est un refus, pas accepté. Il n'a pas accepté. There was a refusal. Alors, Jean et que Jacques. Est-ce que c'est Jean avec Jacques? Oui. Verset 54. Jean et Jacques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah! Je vais accepter toi? Je ne veux pas accepter mon Jésus. Attends, Seigneur, est-ce que tu as envie de m'appeler Jésus dans l'échelle? Nous briser, nous griller d'un seul coup? Il est arrivé souvent, c'est quand on a le leadership, quand on a un refusal, ou un dimanche, on fait appel, c'est un nom. Tu sens, tu vois, c'est Jésus. Brille les bordures. Jésus. Jésus, consume-toi. Et qu'est-ce que Jésus peut dire? Qu'est-ce que Jésus peut dire? Verset 55. Jésus retournait. Jésus corrige ce là et Jésus dit à eux, je ne connais de quel esprit que je t'ai animé. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est venu pour détruire les hommes, les âmes, mais pour sauver les âmes. Laisse-moi mettre une question dans le cœur. Qui l'esprit anime vous? Qui l'esprit anime vous en tant qu'un leader? Ou bien, ou déjà un leader, qui l'esprit qui t'anime au leader pour dire ça, pour faire ça? Pourtant, c'est des disciples de Jésus, ça arrive, pas étrangers, disciples de Jésus. Mais Jésus qui me dit, tu ne pas connais qui l'esprit anime toi. Nous ne pas venir pour tout du monde, nous. Nous sommes venus pour sauver du monde, nous. Il ne faudrait pas nous venir un pasteur, il ne faudrait pas nous venir un leader pour détruire la vie du monde. Nous devons venir un leader pour construire, pour sauver, pour bénir la vie de du monde. Je dis amen, amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bon, moi, laisse-moi. On évite ça dans l'exemple, hein? On va directement dans merci Jésus. Ah! Je sais pas vous avez bougé. Ok, laisse-moi le dernier exemple de la Bible. Dernier exemple de la Bible. 1 Samuel chapitre 2. Ça, c'est intéressant. Et surtout pour l'Église. 1 Samuel chapitre 2, verset 11. Vous racontez cette histoire-là, après, je vais vous expliquer dans le principe là-dedans. Tiens, un sacrificateur qui s'appelle Élie. Dans la Bible, tiens, un prophète qui s'appelle Élie. Il ne faudrait pas se faire confusion entre le sacrificateur Élie et le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est un assistant ou bien c'est quelqu'un qui peut appeler Élisée pour prendre sa place après. Ça, c'est le prophète. Sacrificateur Élie, c'est dans l'époque de Samuel. C'est Samuel, Baba, Samuel. Alors, Samuel, Élie, le sacrificateur, c'est un des garçons. Omné et. Pourquoi là, au lieu des autres noms? Allez, fais-nous rien. Et c'est des garçons. Des garçons, si c'est sacrificateur, si dans le leadership de l'église, ben là, si vous avez un coup de main dans l'église, vous connaissez qui va la faire? Tout ce qui l'a bien, il ne fallait pas faire un leader. Alors, comme un du monde de sa époque, tu parles même de sacrifices, de l'offrande, des animaux pour brûler, de sacrifices de vos bons dieux. Ben, lévite, ben, sacrificateur, ça à l'époque, là, je ne vais pas te travailler, je ne vais pas te gagner la paix, je. Mais comment je peux faire pour nourrir cette famille, pour manger? Quand ben, du monde a même un sacrifice de vos bons dieux, c'est dans deux qualités de sacrifice. Une qualité de sacrifice qui s'appelle whole burnt offering. Whole. W-H-O-L-E. Ça veut dire sacrifice, ça veut dire brûler net, ça veut dire consumer net. Brûler net de vos bons dieux. Mais c'est une autre qualité de sacrifice, quand je t'amène ça, le type de sacrifice vient comme un grillade. Et là, le sacrificateur, tu gagnes le droit de prendre ça à manger, c'était ça, ce porc. Est-ce qu'il veut déjà la même? C'est ce qu'il me trouvait dans l'église à jour.
Et une partie du monde, quand je prends mes offrandes, il y a direct d'apprendre l'offrande, parce que ça pour l'église, me donne mon offrande. Et dans du monde, pour venir dire, pasteur, je les bénis avec ça l'enveloppe, ça les pousse, je les bénis avec ça l'enveloppe. Ça veut comprendre ce que je veux dire. Et dans un sacrifice qui brille et qui pour bon Dieu, pour l'église, ma dépense qu'il fait dans l'église, mais par contre, un autre peut dire, non, pasteur, ça les pour le sacrificateur en question. Ok, n'est pas pour cause de la zone. Mais la Bible dit, moi, ça va un garçon là, je pense que certains là, oui. Ben là, tu viens avec un fousset. En fait, tu mets ça pour oui. Ce qui m'ont fait dire, je vous trouvais dans la Bible. Mon petit fils de suivant, ce qui m'ont fait dire de souligner. Alors, ben, ça arrive ben, des garçons là. Je fais, ben, serviteur vini. Je ben, travailleur vini. Des bouts de côte, ben, du monde qui veut faire sacrifice. Avec un fousset qui a trois les dents, trois pics comme ça, un fousset comme ça. Ça, la viande est encore oui dans pote. Ben là, fonce ça. Et ceux qui sont sortis, là. Tirez, après je vais aller. Et dans un jour, ben serviteur là, vini, et dit à ben dimoun là, pas besoin de brûler, pas besoin de faire sacrifice, non rien. Donne-moi ça même, ça bon port là, donne-moi, les besoins là-bas. Ben dimoun là dit, non, attends un petit peu, laisse ça brûler, d'après tu penses comment tu as envie. Ben dit, non, je ne vais pas donner là, je vais prendre en force. Souligne ça, dans la Bible. Donne ça là, sinon mon poignet par force. Et la Bible dit ainsi, ben là tu fais ce qui n'est pas correct devant bon Dieu. Ça c'était l'histoire. À nous qu'il y a un principe là-dedans. Numéro 1. Ça y est là, mon rappel, monsieur Jésus. Un leader, il est un serviteur. Un leader, il est un serviteur. Un serviteur, pas qu'il est encore serviteur. Ce n'est pas un serviteur. C'était ben là ce rôle, Natacha. C'était ça déclenche là ce rôle pour aider dans l'église à ce travail-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser une pause à case? Ben, un peu comme ça, je suis je donne responsabilité à l'autre du monde pour faire le travail que je suis supposé faire. Il y a une différence entre ou déléguer une responsabilité, je ne vais pas faire l'école des enfants, je ne vais pas faire tout moi-même, je délègue responsabilité, mais il y a maintenant fait mon besoin faire en tant que pasteur. Je te dis amen, amen. Il y a maintenant fait ton besoin faire. Toi, tu besoin prier, toi, tu besoin lire la Bible, toi. Il n'y a pas de mec qui met toute ta responsabilité dans l'autre du monde. Toi, il y a maintenant fait ton besoin faire pour toi. Comment est-ce que je te rappelle quand Anne, c'est, elle n'est pas en mesure de prêcher le Anne dans la réunion CS spéciale. Anne, tu viens dans l'église, tu peux prier. Et là, le sacrificateur, tu es dans l'église là-bas, et tu trouves madame, elle peut prier. Et là, tu dis à madame, tu es en dessous qui? Alto la case, tu es en dessous. Tu te rappelles cette histoire-là? Et là, madame, là, pour dire, je ne suis pas en dessous, moi, je peux penser. Dans la mer, tu es dans mon équipe, elle fait mal, je peux demander bon Dieu, affaire. Et là, le prophète dit, ok, tu connais, alto la case, tu sais qui te demande bon Dieu, tu peux gagner. Et l'année prochaine, madame Magenza, vous vous rappelez cette histoire-là? Ajouine, sacrificateur, là, que c'était salé là. Les tibisins là, comme un dimoun, il amène à prier, les tibisins remplit ce rôle. Mais ça dégage là, que c'était comme un dimoun, il amène ce sacrifice. Je parle là pour remplir ce rôle, pendant que je te dis. Ça peut comprendre ce que je vais expliquer. Si on décide pour une leader, on a voulu pour faire cellule, ou bien faire cellule, on n'a pas voulu mari pour faire cellule. Donne pas responsabilité pour faire des affaires de l'église. Toi, tu visais Félix. Et non pas ça te déléguer le ticket. Toi, tu visais pas responsabilité là. La Bible dit moi, elle est là. Ça dégage son langue. Mon corps apportait sa verset là. Et dans cinq coups, il s'est vu le mot flèche. Gueule verset 13. Pendant qu'il le flèche, la chair est encore cuite. Gueule verset 13 toujours. Une pointe foussée qui tient la chair. Flèche, hook. Appelle ça en anglais. Flèche, hook. La chair encore. Gueule verset 15. Il disait, donne-moi la chair. Give me the flesh. Après, il disait, je vais parler de raw flesh. Je vais parler de la viande crie. Le verset 16. Je ne vais pas continuer à lire après. Pour moi, il dit carrément, ça va être un leader là, tu peux vivre de la chair. Il ne faut pas nous vivre un leader qui vit de la chair. Ça peut comprendre ce que je peux dire. C'est la chair qui compte en femme qui va polie. C'est la chair qui compte en la terre qui va polie. C'est la chair qui compte en l'argent qui va polie. C'est la chair qui compte en tout le monde, les gens qui nous trouvent derrière l'autre dans la Bible. C'est la chair. Tu as besoin de crucifier de la chair. Tu as besoin de crucifier. Tu as besoin de laisser Dieu bon Dieu briller de la chair en tant qu'un leader. De l'appétit qui tue là pour le péché, pour disparaître par lui-même. Le feu de Dieu est consumé. God's fire is a consuming fire. Hébreux chapitre 3. On oublie que ça. Il dit, our God is a consuming fire. On oublie, chapitre 9, mon corps, verset 3. Il dit, our God is a consuming fire. Ok, anyway. Et qu'est-ce que verset 6? Vidja, tu connais que la Bible dit le verset 6? Ça va, Michel a dit, Michel, attends, lui, finis cuit, après, je prends. Il dit, non, donne-moi, c'est pas demain, on prend lui par force. Ben, il dit, non, attends, lui, finis. Après, qu'est-ce qu'il va, Michel, là, vous dire? Then you take.
As much as your soul wants. Si on exemple en français, ils ont les mêmes affaires. En français, ils disent tu prendras ce qui te plaira. Souligne ça. En français, ils disent tu prendras ce qui te plaira. Mais en anglais, ils disent tu prends quand c'est une âme en vie. En tant qu'un leader, nous avons bien. Qui ça fait une âme bien en vie? Nous devons veiller qu'il nous âme. Les papiers galopent dire quelque chose inutile, quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose pour les autres du monde. Nous devons veiller bien nous âme, mon frère, mon soeur. Le deuxième, amen, amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Et mon écrit ça dans mon cahier là, laisse-moi dire tout ça. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Ben, garçon Élie, écoute ça par hasard. The sons of Eli were sons of Belial. C'est pas ça qu'on appelait Brinda? Sunil. Daughter of Sunil. Comment tu es capable, de deux daughters à la fois? Tu es capable de deux daughters à la fois? Tu es capable de deux sons à des times? À la fois, tu n'es pas capable de garçon de papa. Il va manger, c'est impossible. Impossible. Mais qu'est-ce que ça fait, c'est là qu'il disait? Sons of Eli? Sons of Belial. Vous frère, monsieur, hein? Je connais ce que le mot Belial veut dire. Moi, je sais ce que le mot Belial veut dire. Le mot Belial veut dire, quoi il dit ça, Seigneur? Worthless. Inutile. N'importe. Et vous l'amène là-haut. Sur un garçon ou des fils, sur un petit fils ou des filles. Le deuxième mot, pas un garçon. Le deuxième mot, pas un garçon. De n'importe. Ou bon Dieu, que mon bon Dieu, il n'est pas n'importe. Il ne faut pas une n'importerie dans le leadership de l'Église. Il ne faut pas vivre la vie comme un n'importe quand on a accès à le leadership. Il ne faut pas faire n'importe ce qu'ils ont envie, n'importe ce qu'ils voulaient. Il n'y a personne pour dire quoi que ça, on fait n'importe ce qu'ils voulaient. Non, il va manger ça, mon frère, mon Seigneur. Mon papa dit pas n'importe lui. Mon papa dit Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais c'est non. Belial. Belial refait tout pour le divinité papa. L'esprit Belial. L'esprit n'importe. Ainsi. L'esprit n'importe. Ainsi, frère. Ça, mais j'ai oublié ça, hein, pour ça, m'oublier ça. L'esprit n'importe! Il refait tout pour rentrer dans la tête, pour rentrer dans la vie, quand tu deviens leader. Et là, nous gagnons la pensée. Mon cas, c'est n'importe ce qui m'a lié, ce qui m'a lié de moi. Vous voyez, quand un leader pense comme ça, ce papa n'est pas n'importe. Là, il pense, mon cas, c'est n'importe qui, mon cas, c'est n'importe ce qui m'a lié. Le deuxième mot, pas pour l'est? Belial. Dis-le, mon papa. Un démon. Il prend le temps, il fait un petit animal, baba, petit animal comme ça, nourrit les animaux là. Les animaux là deviennent grands. Vous savez, ça dit pourquoi, ben, tu peux donner des animaux, hein. Un démon, il prend sur le temps, il a des carreaux, il rase sa lèvre là, il coupe sa lèvre là, il ramasse sa feuille canne là, il amène dans son équerrie, il nourrit sa baba, agneau, qui lui peut donner bon Dieu là. Il protège sa baba là contre tout cyclone. Sa bébé, sa agneau là, on peut dire. Agneau là, il vient un peu dans l'arbre qui est bizarre. Ça coûte carapace trop de vinyle, ils mettent de l'huile là-dedans, une passe tondeuse pour gosser les animaux là bien propres. Ils gossent sur l'offrande, bien. Ils prennent sur l'offrande, ils amènent l'église. Ben, on n'a pas donné l'importance de l'offrande. Il ne faut pas dans l'église, on a un pasteur, on a un leader qui méprise l'offrande du monde. Je dis à pasteur, parce que j'en moi là. Si vous voulez qu'on amène sur l'offrande dans l'église, vous avez une valeur, vous avez respecté ça. Vous avez la crainte de Dieu qui façon nous fait service à l'offrande là. Et tu dis amen. Mon Dieu, je viens de faire, hein. Mais frère, Samuel, qu'est-ce que tu fais, Samuel? Samuel, tu es là-bas, il peut grandir, lui. Mais quand Samuel peut grandir, il peut trouver maman, il peut faire ça cinéma, là. Et la Bible dit, tous les années, Samuel, son maman, tu peux venir, tu vas mettre un linge pour lui. Tous les années, Samuel, son papa, tu peux venir faire l'offrande, tu peux faire sacrifice. Samuel peut trouver ça, c'est qui peut arriver. Quand Samuel trouvait, ben là, il peut prendre son papa sur l'offrande, il peut faire comme ça. Samuel, tu as déjà tant pour connaître, là. Tu fais ça avec mon papa? Tu prends mon ou pas sur l'offrande, tu fais ça? Je ne comprends pas ce que je dis là. Samuel, tu es capable de rentrer dans la chair, il faut régler ça dans la chair. De régler ça, saute des hauts. Saute des hauts.
On est dans le film tamil. Rah! Hey, Ray! Dans le film tamil, on a jeté les goûts là. Jamais on va régler un problème de leadership pour lâcher. Jamais ou quoi, pour qu'il y ait un désordre là, on va essayer de régler un problème de leadership. Il va me dire, it's a spiritual thing, you need to tackle it with the spirit of God. C'est ce qui arrive beaucoup du monde. Je trouve un démon préféré, je de quoi, bon, je de lâcher, je vous provoque un désordre là, de là. T'as les mots autour de qui vous a fait. Il va me dire, ou bien frustration, ben là, pas quoi, toi, ça te passe mauvais. Les arrivées, c'est ça, ça te passe mauvais, là. Tu veux dire c'est qui n'arrive même toi? Ça te passe pour mauvais, là. Et je la même là. Je vais réfléchir. Je vais process. Je vais download. Je vais stream. Ok. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok. Bon, on a plus vite. On a plus vite. Mais vous êtes terminé. On n'est pas capable de faire un message trop long. On n'a pas pour une église contre nous sinon. Et une phrase qui va nous dire. De nous, ça va faire la cri. We want it raw. Il y a des démons qui viennent à cette demande là d'un cri. Enfin, monsieur, vous avez bien. Quand nous venons un leader, veille bien nous l'appétit. Si vous l'appétit, il est pour la parole de Dieu. Il n'a pas drôle l'appétit de Salomon là ou pas pour même non. Si vous l'appétit, c'est la présence de Dieu. Il n'a pas drôle ça c'est Ramdani. C'est Ramdani, Daddy, Ramdani, Daddy ou bien, mais Zodilens. Je bénis avec Zodilens. Vous dire qu'il me trouvez avec Zodilens qui a le bien. Écoute ça, Daddy. Ben là, quand le message de face déroule, il bruit. Bon Dieu, il prend plaisir là-dedans. Mais la Bible dit, ben là, ça va être gorge. Là, dit, non, il n'a pas assez bon goût. Parce qu'il a bien là, il bruit. Nous pouvons faire notre affaire avec lui, nous faisons une grillade. Nous pouvons faire une grillade comme Abishek fait avec ça. Pas bruit la viande là, il n'a pas bon goût. C'est tout que de moi. Tout ce qui te reprend pour bon Dieu, jamais pour gagner bon goût. D'accord, pas d'accord, c'est ça là. C'est qui bon Dieu qui apprend plaisir. Toi, jamais tu n'as prends plaisir là-dedans. Bon Dieu, tu prends plaisir de sa sacrifice, sa style. Qui bon Dieu, tu dis, ben là, prépare ça là. Tu regoutes ce qui pour bon Dieu. Jamais tu n'as jamais. Bon, nous allons avoir causé un peu plus sur là. Laisse-moi aller un peu vite. Merci Seigneur, merci Jésus. Maman, écrit dans mon cahier, as a leader, watch over your tongue. Veille de la langue. As a leader. Veille de ton goût. Faudrait pas ton goût. Il va correct. Ok. J'espère que je comprends ce que je peux dire. Après, qu'est-ce que ça le phrase qui dit? Le verset 13. Tellement j'en ai habitué de faire ça comme ça, ça est une autre manière d'agir. Sur les femmes de la télévision, ça est une autre manière d'agir. Écoutez ça. Pas à cause bon Dieu, reste tranquille, ça veut dire ce qu'il te peut faire, il dit bon. God's silence is not an approval. Regarde ça dans le cahier. Trop beaucoup fois quand nous devons faire péché, nous devons fumer, nous devons boire, nous devons faire ce qui n'est pas correct. Bon Dieu, pas besoin d'en rien, toi qui te dis pour dire quelque chose. Pas cause bon Dieu, tranquille, ça veut dire ce qui te fait faire du bon. Et c'est ce qui t'arrive, ça, des garçons là. Alors bon, et là, chrétien, tu as quoi, discothèque, encore contre l'amusement, l'église secondaire pour eux, ils sont capables de faire bouger ciel, la terre, la lune, tout, pour eux, récit, à sa sortie là, faire sa plaisir là. Tout ça fait vient après, l'église vient après. Mais pas cause bon Dieu, silence. Pas cause bon Dieu, pas cause les. Pas de bâton, une calotte, pas de couplet, pas de tomber, puis l'eau, Lily. Prenez-moi. Mais bon, mon frère me dit, God's silence is not an approval. Après, qu'est-ce qu'il y a à faire? Plus un leader, plus un démon fait ça. Ça vient d'une habitude, ça vient d'une façon d'agir, ça vient d'une coutume de cela, ça vient d'une partie de cela. Plus vous faites un péché, vous trouvez ça vient d'une manière de vivre dans la vie. Coucou mon langage clair là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Et troisième petite chose que je vais vous dire de cette histoire là, ben là tu recevais la force, ben là tu recevais la force pour gagner quelque chose. Faut des fois quand nous venons un leader, nous recevons la force, nous recevons pression pour faire quelque chose, pour gagner quelque chose dans le monde. Il n'a pas bon mon frère, mon Seigneur. Seigneur, allô frère, ça laisse. Ça l'époque là. Est-ce que vous connaissez Pasteur Frisidia? Pasteur Frisidia, ça l'époque là. Mais comment on a fait pour en fousser, petit gros bout de la viande, puis aller, écoute-moi ça. Parce que la frise pour garder l'endemain, ça. Chaque jour, le peuple qui vous a amené, chaque jour, ça implique qu'il y a des se manger, et puis là-dedans. Ok, un jour, on n'a pas qu'au jour là. Gloire à Dieu, merci. Ben là, tu reprends pour la fosse, il ne faut pas nous servir la fosse. Et c'est un péché, c'est ce que je peux faire. Mais c'est moi, ben là, tellement, ça veut je ne vais pas s'y trouver, il y a un péché. Quand un leader, Brinda, quand un leader, tellement, peut faire une erreur. Il finit à veiller pour ça. Il n'est pas pour trouver une erreur, ça.
À cause de vous avez prié, quand vous priez pour un leader, quand vous priez pour un manager, quand vous priez pour un supervisor, quand vous priez pour un professeur, quand vous priez pour un monde qui trouve l'épée, ou pensez l'épée, mais il y a quelque chose que vous avez fait numéro N, c'est prier pour du monde sur les yeux ouverts. Quand sur les yeux ouverts, vous trouvez les mains, ça fait vous mettre facile de vous changer facilement. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bon, je ne vais pas continuer après. Le verset 22, il y a un peu de sagrin pour dire ce qui maintenant tu peux faire aussi. Le verset 22. Ça dégage un petit peu des bouts de côté de l'entrée de l'église, côté de la porte de l'église, et tout, bonne femme qui tu peux rentrer, pas tout, une partie, bonne femme qui tu peux venir, ça va un garçon là, tu peux guérir l'action sexuelle en dehors de l'église, avant qu'il y ait une partie, bonne femme rentre dans l'église. Pas tout femme, parce qu'il y a Anne, Samuel, si ce moment tu peux venir, tu peux venir tous les années, mais la Bible pas dire Samuel ce moment, ça comme il rase avec Banla. Vous comprenez ce que je veux dire? Une partie, bonne femme, l'orgueil est dans eux. Nous prions avec le sacrificateur. Nous connaissons tout ce qui est arrivé dans le temple là. Nous gagnons des bonnes informations que les autres pas gagné parce que nous prions avec lui. On peut donner un exemple aussi, on peut comprendre bien ce qu'il peut dire où là. L'orgueil dans le cœur. Et pour faire où? Ou pour continuer à nourrir où? Avec sa laviana, même une gâtée, une pourrie. Ou pour continuer à nourrir où avec ça? Mousse vert, avec qui les nourrit lui? Connais où? Pas besoin de dire. Man moutou, avec qui les nourrit lui? Connais où? Pas besoin de dire. Le péché dirait ce péché. Le dis amen, amen. Ok. Je vais terminer. Là, Seigneur, je vais terminer. La Bible dit le verset 24. Le verset 24, la Bible dit Élie, tu es bien vieux. Papa là, tu es bien vieux. Et papa là, pas capable de courir sur mes enfants. Mon père, mon Seigneur, si le système est une bien vieux, si le système est une archaïque, si le système est une rusted, une pourrie, une léruie, si le système pas peut apporter la correction, bon, c'est capable, mon père, mon Seigneur. Vous avez dit comme ça, il y a un siècle, il y a un système, il y a un. L'organisation, il y a une façon tellement pourrie. Pas peut mettre l'ordre. Priez. Bon Dieu capable de mettre l'ordre. Alors, mon écrit ici, moi. Si Élie est une vieille, si le système est une vieille, si le système est powerless to bring the change, bon Dieu capable de mettre le change. Et qu'on style, bon Dieu, il y a un style. Ben là, on peut faire un rêve, on peut faire comme Eras. Bon Dieu te prépare. Ah, mais qui fait bon Dieu, pas faire un ornier. Moi, j'ai aucun bon Dieu peut faire. Chaque jour que Banab est gagné comme Eras avec madame, chaque jour que Banab prend la viande qui est une mauvaise façon quand je vais abuser devant l'offrande, vous connaissez qui bon Dieu tu peux faire? Bon Dieu peut prendre soin. Venez courant. Bon Dieu peut prendre soin Samuel. Quand les autres peuvent badiner dans le péché, bon Dieu peut préparer un kikène déjà pour remplacer un kikène là-bas. On ne jamais dire bon Dieu pas faire un ornier. Bon Dieu peut faire quelque chose. Bon Dieu dans tout seul état. Bon Dieu dans l'éternité. À cause ça, il va presser. God's time, merci. It's the best of all time. Le deux amen, amen. Alors, vous demandez aussi, pareil, quand on trouve un petit mot, de faire rien, parce que tu fais bon Dieu, pas faire rien, tu fais bon Dieu, pas faire rien. Priez! God is busy preparing David. Bon Dieu, tu es busy, engagé, tu prépares David, pendant que Samuel t'a gagné sorcier, pendant que Samuel veut faire ce qui n'est pas correct dans le palais. Bon Dieu, tu prépares the next king. Pasteur, mon manager comme ça, pasteur, mon pasteur comme ça, pasteur, mon leader comme ça, pasteur, tel qui ken comme ça. God is preparing the next one. Le deux amen. Ok. Six petites choses, vraiment, nous peut terminer. Numéro un. Si toi, tu tiens du monde qui n'abuse de ban du monde, si toi, tu es dans une place, position, l'autorité, tu n'abuses de ban du monde, sexuellement, financièrement, moralement, n'importe quelle façon, tu faisais repentir, tu faisais demander bon Dieu pardon. Tu les ai nouvelles aujourd'hui. Donc, bizarre demande bon Dieu pardon, si tu as déjà servi ta position, ta power, pour influence du monde, pour couillon du monde, pour qui du monde, pour du monde qui a du mal, tu bizarre demande bon Dieu pardon, numéro N. Repent! Je dis repent? Repent! Numéro D. Don't repeat. Formula facile. Comment vous me dites que c'est facile, vous dire? Numéro 1. Casse l'œuf. Numéro 2. Mets un petit sel. Numéro 3. Attends. Et pour finir, oui. Si tu es du monde, tu peux écouter moi aujourd'hui, tu ne les as abusé de ton pouvoir, abusé de ton autorité. Répentis et n'a pas réfléchi. Ça, c'est numéro N. Un man du monde qui ne les a fait ça. Maintenant, si toi, tu es du monde, tu connais quelqu'un qui t'abuse de son autorité, l'autre, toi. Qui te les a fait? Priez numéro N. Tu priez toi, pour toi-même, et tu priez pour ça du monde là, sur les yeux ouverts. Numéro 2. Tu besoin de pardon, ça du monde là. Si tu laisses la médecine dans ton cœur, il devient un obstacle de ta vie. Tu besoin de pardon, ça du monde qui n'abuse de toi là, de tes enfants, ou bien n'importe qui est capable de vivre. Troisième. Stay away from that person. Moi, c'est pas diffé ça, tu continues à diffé même. Allô? Je dis, Vijay.
Ton jali couteau, ça passe au couteau, mais disons couteau même. Ton jali, ça courant, ça va mettre les doigts là-dedans. Il n'y a pas qu'à continuer avec ça. Mais nous expliquons dans l'église, dans le petit étoile, nous nous mettons l'église aujourd'hui. Tu n'as pas qu'à continuer, flock around, ça va nous faire là, quand tu connais, il n'est pas bon. Le deuxième gloire à Dieu, il sait, eh oui. Ça, dans la Bible, nous nous disons, tu sauvé, tu allais. Joseph, écrit très barouna, sauvé, allez. Tu as besoin de l'autre, ça, de quelqu'un. N'a pas de gosse, de tous les caisses, ça peut venir bloquer, on peut éclater, il faut tuer toi-même avant. Si tu peux venir une victime de ça, ouvre-toi les cas avec un djimoun. Pas n'importe qui. Ouvre-toi les cas avec un djimoun qui va prier pour toi et donne-toi conseil comment vous sortir là-dedans. Et bien sûr, don't play the game. Qu'est-ce que ça, pasteur? Don't play the game. Vous savez que Dieu est allé là. Et non, malgré un djimoun qui abuse de Dieu, pas de moi, c'est moi, je suis content de ça. Pas de moi, c'est moi. Parce que je suis content, sa position, je s'active, je peux enjoy, ça diminue que je peux boire là. Il va bon. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si toi, tu deviens un pasteur un jour? Tu as du monde dans l'église qui est une victime de ça. Numéro un, tu pries pour ça du monde-là. Deuxième, tu encourages ça du monde-là. Et troisième, tu donnes un tip, comment il faut faire pour éviter sa qualité du monde qui t'abuse de vie-là. La mauvaise chose, c'est un petit point, comment je faisais handle, ça fait qu'arriver comme ça au dessus de la vie. Qu'arrive à faire, ça l'est, si tu as un prédateur là. T'es là, nous causes victime, tu as du monde qui est une victime, qui te faisait faire avec lui. Qu'arrive si tu faisais handle de prédateur? De prier pour lui avant. La prière sans souffrir. Comment la prière sans souffrir? De prier pour ça du monde qui peut abuser les autres qui sont là. De prier pour lui. Et de viser confronter du monde là. On va dire la guerre, mais on dit confronter. Confronter veut dire te montrer lui qui quand c'est des autres, ça peut faire dans l'autre qui est là sur la vie. Ça comme on dit du monde là, il peut abuser sexuellement un autre qui est là. De viser montrer du monde là, il peut abuser ça du monde là. Ça du monde là sur la vie peut finir. Tu peux finir ça du monde là, tu peux finir ça zéné ça sur la vie. Tu peux être prisonnier de ça qui te chose là. Tu peux confronter avec montrer du monde là qui scope sa damaison préfère sur les yeux ouverts, sur les guerres pour toucher. D'accord? Et puis aussi, amène des témoins moi, avec toi. On n'a pas touché. La Bible, c'est quand tu réponds à quelqu'un, amène des témoins avec toi quand tu réponds à quelqu'un. Demande les liens ici pour prêcher. Un mot besoin d'une analyse d'un démon qui est en action quand du monde abuse de l'autorité. Et je vous ai pas l'autorité de ce démon là. L'esprit de séduction. Pour tout que nous guettons là, un démon qui n'abuse de ceux d'autorité, c'est l'esprit de séduction, un démon de séduction qui séduit les autres pour faire sa banquette chose. L'esprit de séduction, l'esprit servant. Deuxième, l'esprit, pas de guilt. Culpabilité. Alors, il n'abuse de moi, moi je me sens sûrement coupable. Qui du monde pour guetter, qui du monde pour faire le moi, qui du monde pour dire à la société comment pour guetter moi. L'esprit culpabilité, tu as besoin de s'affirmer dans le nom de Jésus. Bien souvent, l'esprit mensonge, un gros démon, ça l'esprit cause menti. Alors que ça, il ne fallait pas cause mentir depuis les autres silences. Sinon, ça pouvait la pauvre, le démon rendre sur la vie encore. Il ne fallait pas cause mentir. Souvent, quand un démon finit abuse dans le ticket pour un mensonge qui vous suit après, l'esprit accusation, tu vois qui est du monde là, l'esprit menace du monde là. Si tu dis, il y a tout du monde qui m'a fait avec toi, moi tu dis ça. Si tu dis, il y a tout du monde, moi c'est toi qui au travail. Si tu dis ça, moi fais ta faille. L'esprit menace, pour menacer, pour faire grimper. L'esprit la peur avec l'esprit l'amour. Il y a tout grimper. Moi j'ai peur comme on trouve du monde là. Moi j'ai peur le coup d'appel moi. Moi j'ai peur le coup du téléphone moi. L'esprit la crainte avec l'esprit l'amour. Et aussi souvent dans l'esprit suicide. Du monde qui est une victime, il a fait suicide parce qu'il n'a pas pu sortir depuis là-dedans. Ou bien du monde qui me fait ça, il organise plus tard sur la mort. Et aussi dans l'esprit adultère, l'esprit l'orgueil, l'esprit manipulation, venu debout dans nos places. Brondarabashi, qui était débidikondarabashi. Est-ce que j'ai le Seigneur Jésus? Reprends l'autorité dans toute bonne forme, abus de pouvoir et d'autorité dans mon avis. Sortez! Au nom de Jésus! À partir d'aujourd'hui, m'ont déclaré, dit sans Jésus, il vient un miraille de feu autour de la vie, autour de mes enfants, autour de l'église. Au nom de Jésus, allez, dites avec assurance, dites, au nom de Jésus, personne, pas pour capable, abuse de moi, sexuellement, moralement, émotionnellement, financièrement, dans le nom de Jésus, tout le monde qui refait à moi, une victime des autres de la vie, des autres péchés, des autres désirs, me chasse comme l'esprit là, dans le nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, si mon servi, mon autorité, pour abuser de ma du monde. Lave-moi pour te dire sang. Amen.